Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être encore au rendez-vous de l'Espace des sciences. Merci à Christine Rollard d'être avec nous ce soir. Christine, si tu me permets, j'ai dit tu. Ben voilà. On avait pourtant dit qu'on se vous voyait. Si vous permettez, chère Christine, je vais faire quelques informations. Je vais vous donner quelques informations concernant l'Espace des sciences qui ouvre ses portes puisque nous sommes en période scolaire dès le matin, hein, pendant toutes les vacances, à partir de 10h jusqu'à 19h, avec des propositions d'animation supplémentaires, avec aussi une nouveauté, en plus des salles d'exposition sur le feu, sur la biodiversité, les manips du labo de Merlin que vous connaissez sans doute. Eh bien, découvrez le coin des petits curieux qui est situé juste en face du labo de Merlin dans un espace qui s'appelle le Muséo Cube et qui propose pour les enfants et en famille d'ailleurs des ateliers. Je vous invite à regarder sur le site de l'Espace des sciences tous ces rendez-vous. Découvrez aussi le nouveau numéro de Science Ouest dont le dossier de ce mois-ci concerne la santé des plantes et surtout l'après-pesticide. Il y a beaucoup de recherches menées dans notre région pour justement arriver à se passer des pesticides. Et vous le savez, ce magazine, c'est aussi l'actualité de toute la recherche dans notre région Bretagne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sinon ? Dernière information, eh bien, ça va être notre dernier rendez-vous dans cette maison des associations pour cette année. La semaine prochaine, nous serons au couvent des Jacobins pour la conférence du docteur Claude Viraud, qui portera sur l'hypnose médicale, comment activer et utiliser les ressources naturelles de votre conscience. Nous irons là-bas au couvent des Jacobins, qui a accepté de nous accueillir pour cette soirée, parce qu'il y a beaucoup plus de places. Il y a 500 places possibles, hein. Il y en a 1000 normalement, mais là, une sur deux, donc ça fera 500. Donc c'est notre dernière conférence à la Maison des associations pour cette année. Nous y reviendrons à partir du mois de janvier et c'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement toute cette équipe qui nous a accueillis avec beaucoup de chaleur et de compétences. Nous avons bien travaillé ensemble et nous avons bien hâte de les retrouver en janvier. Sachez que les conférences, les mardis de l'Espace des sciences des mois de novembre et décembre, nous sommes des nomades en ce moment, novembre et décembre se passeront de nouveau au Champ Libre, mais dans une salle qui s'appelle la salle Anita Conti. Voilà les informations que je voulais vous donner avant d'accueillir Christine Rollard, que nous connaissons bien, parce que Christine Rollard n'est pas une inconnue pour l'Espace des sciences. Il y a Christopher Couselin qui est en face de moi, qui est le responsable des expositions à l'Espace des sciences, avec qui Christine a beaucoup travaillé. C'était en 2008, il y a 12 ans, oui, pour une exposition qui s'intitulait « Au fil des araignées ». Tout à fait. Et dont vous étiez la commissaire d'exposition. Une des commissaires scientifiques de l'exposition, puisqu'il y avait avec moi aussi Alain Canard, oui, donc qui m'a formée sur les araignées il y a quand même quelques années, oui, on va et puis Frédéric Isnel. Voilà, c'est ça. Et cette exposition qui a eu lieu de septembre 2008 jusqu'en mars 2009 a ensuite beaucoup voyagé. Hein, elle est allée ensuite parce qu'elle a été montée en itinérance. Elle a été montée à Rennes. Oui, tout à fait. Avec l'aide du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Paris. Oui, où j'exerce. Ensuite, elle est allée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et puis elle a continué à voyager par la suite. Et elle voyage toujours ? Elle était il n'y a pas très longtemps en fait à Chambéry, hein, donc je ne sais pas dans quelle ville elle va aller ensuite, mais bon, elle était encore à Chambéry l'année dernière. Voilà. Alors Christine Rollard est arachnologue ou aranéologue. On va préciser tout de suite la signification de ces deux termes. Vous êtes les deux, en fait. Oui, tout à fait. Hein ? En fait, je m'intéresse à un groupe d'arachnides. Hein, donc je vous repasserai une petite diapositive là-dessus pour resituer un peu les araignées. Arachnides qui inclut un certain nombre d'autres groupes
en dehors des araignées. Et quand on s'occupe d'un arachnide, on est arachnologue. Et quand on précise un peu le groupe sur lequel on travaille, donc soit les scorpions, par exemple, on est scorpionologue. Sur les acariens, on est acarologue. Et sur les araignées, on est aranéologue. Donc voilà, je suis aranéologue en précisant, mais arachnologue au sens plus large. Alors, l'itinéraire d'un chercheur, c'est toujours un itinéraire qui nous intéresse beaucoup. Dire que vos parents sont toujours à Saint-Nazaire. Oui, tout à fait, je suis nazérienne. Vous êtes nazérienne. Vous avez ensuite fait des études à Saint-Nazaire d'abord, puis à Nantes. Voilà, donc puis vous êtes arrivée à Rennes. Et je suis arrivée à Rennes pour faire effectivement un DEA à l'époque, donc c'était un diplôme d'études approfondies, et c'est là seulement qu'on m'a proposé un sujet sur les parasites des araignées, donc les insectes qui les mangent. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour faire une thèse, et donc je me suis enclenchée sur une thèse qui s'est finalisée juin 1987. Voilà. Et en fait, vous êtes au Muséum national d'histoire naturelle de Paris depuis 32 ans. Tout à fait. J'ai été embauchée en décembre 1988. Donc ça fait maintenant 32 ans que je suis au muséum. Alors, vous avez vécu à la campagne, disiez-vous, parce que je crois que votre mère était institutrice. Oui, tout à fait. Et elle enseignait dans une petite ville de campagne à côté de Saint-Nazaire. Elle était institutrice et directrice de l'école laïque de l'Immaculée Conception. C'est à côté drôle, de Saint-Nazaire. Et donc ensuite on est monté sur Saint-Nazaire. Voilà. Et vous aviez déjà à l'époque beaucoup, je crois, assez jeune, le goût de l'observation. Très vite vous êtes venu aussi le goût de transmettre. Et en fait vous pensiez devenir institutrice, je crois. Ben oui, il y en avait beaucoup dans la famille, donc c'était une voie toute tracée. Alors, il me semble intéressant de dire que vous avez quand même raté 3 fois le concours. Oui. Non pas pour vous écraser, mais justement pour montrer que... Oui. Il faut toujours rebondir. On peut, il faut toujours rebondir et qu'à partir de ce moment-là... À partir de ce moment-là, on m'a dit « qu'est-ce que tu aimes faire aussi ?» J'adorais la nature, effectivement, et observer les petites bêtes. Et on m'a dit « va en fac de sciences ». Donc du coup, je suis allée effectivement en fac de sciences à Nantes et c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser en ayant un petit peu redoublé au départ parce que je me cherchais. Mais ensuite, effectivement, en étant très accrochée sur l'écologie, la biologie, etc. Alors, vous dites toujours qu'il y a toujours 5 missions au Muséum national d'histoire naturelle. Vous pouvez nous les préciser ? Oui, c'est important puisque, effectivement, je me retrouve complètement là-dedans. Donc, je suis, et je le revendique, quand on dit « vous êtes chercheuse au muséum », non, je suis enseignante chercheuse. Donc l'enseignement est important et j'avais envie de le faire, donc je peux le faire. Chercheuse, bien sûr, maintenant focalisée sur les araignées, donc en tant qu'aranéologue. Et puis au muséum, on a aussi d'autres missions qu'on peut exercer, en particulier l'expertise. Bon, il se trouve que depuis 32 ans, je suis un petit peu cataloguée de... Madame araignée. Un peu. mais je ne connais pas tout sur les araignées. Vous pourrez peut-être me poser des colles, de toute façon. Ensuite, on a des collections au muséum qui sont très importantes, parmi quelquefois les plus grandes mondiales. Donc, je suis chargée de conservation des collections d'araignées. Et puis, la cinquième des missions, c'est aussi la diffusion des connaissances. Et je me retrouve complètement là-dedans, puisqu'effectivement, j'ai découvert un monde fascinant, très méconnu, et que depuis pas mal d'années, j'essaye de transmettre justement ces connaissances à travers les conférences que je peux faire comme ce soir, ou des ouvrages, ou des émissions de radio. On va y venir. Je pense que c'est important aussi de pouvoir transmettre en tant qu'enseignant-chercheur. Alors, par exemple, si on parle de Super Spider. C'est un documentaire, effectivement, qui a été fait à la suite de l'exposition au fil des araignées quand elle est revenue sur Paris et dont j'étais commissaire scientifique. Et il a été décidé de faire un documentaire sur ces araignées avec un très, très bon réalisateur. Donc, Vincent Amouroux, qui fait beaucoup de réalisations et de films sur la nature et sur beaucoup de phénomènes. Et c'est un documentaire qui a été primé par pas mal de festivals, et où on voit en fait énormément d'images qui n'avaient jamais été filmées auparavant sur des ponts, sur différents chercheurs, parce qu'il n'y a pas que moi qui travaille sur les araignées, heureusement, dans le monde. Donc des chercheurs qui travaillent sur la vision, sur les fils, etc. Et c'est vraiment un très très beau documentaire en plusieurs petites séquences
qui peut être diffusée aussi dans les établissements scolaires. Donc c'est très bien. Alors il y a aussi plusieurs livres, dont celui-ci, Arachna, les voyages d'une femme araignée, que vous avez, qui a été réalisé avec Vincent Tardieu. Vincent Tardieu, c'est un journaliste scientifique assez connu qui a écrit beaucoup, pas mal beaucoup d'ouvrages, de livres. Effectivement, oui. C'est un ouvrage paru chez Belin. Vous me disiez que c'était une sorte de carnet de terrain, carnet oui. de voyage. Oui, oui, je pose juste mon micro deux minutes pour faire voir quelques oui. images. Il est magnifique. Il est illustré par un dessinateur photographe qui s'appelle Marcello Pettineo et qui a vraiment voulu présenter ça de façon... c'est comme un carnet de terrain. Donc c'est vraiment une aventure, un voyage à travers les différentes missions que je vous ai évoquées précédemment. Et ça ne se passe qu'en France. On n'a pas besoin d'aller forcément à l'étranger pour découvrir en fait, la diversité des araignées. Donc ça fait partie des beaux livres. C'est le premier livre effectivement que j'ai fait en collaboration avec ce scientifique, ce journaliste scientifique. À l'intérieur de ce livre, d'ailleurs sur la page de fin aussi, on vous voit aspirer une araignée. Alors oui, j'ai lu, hein, après je suis allée voir parce que j'étais quand même effrayée, je me dis elle ne mange pas des araignées quand même. Non mais bon, dans le cadre de mon travail, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais eu du mal à faire au départ, parce que quand j'ai fait ma thèse en fait à Rennes, je ne tuais pas les araignées, je les observais, j'observais les parasites. Et quand j'ai eu mon poste à Paris, j'ai changé en fait d'orientation, puisqu'on m'a dit maintenant tu fais de la systématique, de l'identification, de la classification, et là il faut tuer les araignées pour pouvoir les observer et les identifier. Donc effectivement, pour les récupérer, la plupart étant de petite taille, on utilise différents moyens, dont un aspirateur à bouche, hein, donc un petit tube qu'on met dans sa bouche, on aspire les araignées, elles tombent dans un récipient, et ensuite je les mets dans l'alcool pour pouvoir les observer. Voilà. Alors après, il y a eu ce livre qui est paru en 2014 et qui a été réédité en 2017. 2014, c'était Portrait d'araignée. 2017, oui. On l'a refait. J'ai réactualisé, j'ai rajouté tout un chapitre sur les contes et les légendes qui me tiennent aussi à cœur sur les araignées dans le monde entier. Et donc, c'est Fascinante araignée, effectivement. Et maintenant, c'est un livre réalisé avec Philippe Blanchot. Philippe Blanchot, qui est un photographe, en fait, animalier et qui fait vraiment de la macro-photo de très bonne qualité. Et on avait envie de donner un autre regard. Hein. Donc, je dis souvent à des gens que je reçois qui, quelquefois, sont phobiques, rentrer dans le monde des araignées, donc à partir de là, rentrer dans ce monde qui est minuscule par rapport au nôtre, et donc c'est un peu ça qu'on a voulu traduire par les photos. Avec une préface de Cédric Villani, ceux qui connaissent Cédric Villani, qui sont venus l'entendre quand il n'était que scientifique, vous savez qu'il porte toujours des araignées. Il a un petit coffret avec des araignées de toutes les couleurs. Oui, il en sort de ses poches quelquefois. Voilà, et donc c'est lui qui a préfacé ce livre. Il y a eu un autre livre que je n'ai pas là, mais que vous avez écrit justement mon maîtresse araignée, Alain Canard, effectivement. Avec Alain Canard. À la découverte des araignées, donc c'est un petit guide de terrain que j'utilise énormément pour toutes mes animations avec les scolaires et même avec mes étudiants. Pour des stages de terrain et qui permet de découvrir une centaine d'espèces donc de françaises, hein, en se guidant avec ce petit livre. Et puis il y a celui-ci qui est peut-être l'un des plus récents, parce qu'on va parler d'un autre qui va sortir bientôt. Je n'ai plus peur des araignées. Donc si vous connaissez des gens qui ont peur des araignées, il y en a peut-être dans la salle déjà. Et c'est un livre que vous avez fait avec un psychologue, hein, parce que je le dis bien en fait à tous les gens que je reçois depuis quelques années, ça fait à peu près je pense 25 ans que j'ai commencé à recevoir des gens qui avaient des peurs plus ou moins marquées, jusqu'à des phobies handicapantes, hein, parce qu'il y a vraiment une notion de peur et de phobie qui est complètement expliquée justement dans ce livre avec le psychologue. Et je dis souvent aux gens, je suis docteur en sciences biologiques, je ne suis pas docteur en psychologie. Donc il faut aussi savoir où sont les limites. Et il fallait, même en recevant moi régulièrement maintenant plus d'une trentaine de personnes chaque année, savoir expliquer les choses de façon Mais je pense que pour lui, ça devait être aussi très enrichissant. Oui, parce de qu'il a appris beaucoup de choses aussi. Voilà. Donc il s'appelle Abdelkader Mokeden. Tout à fait. Mokeden, et c'est avec lui que vous avez réalisé. Et alors, il va y avoir un livre qui va sortir dans deux jours. C'est un petit peu bête, hein, à deux jours près. Oui. Aux éditions Coué aussi. Tout à fait. Oui, c'est 50 idées fausses sur les araignées. Voilà, que vous puisque avez écrit avec Mathieu pense, Vidard. Et là, la préface est de Mathieu Vidard, donc, ouais. Qui fait beaucoup d'émissions sur France Inter, qui faisait la tête au carré, puisque maintenant il fait la Terre au carré.
Et on a vraiment bien accroché justement par rapport à cette approche de la transmission. Et là, il y a tellement d'idées fausses que j'entends régulièrement depuis des années maintenant sur les araignées que les éditions Kwawe, avec qui j'avais fait Fascinante araignée, m'ont dit que ça serait intéressant de pouvoir faire justement les idées fausses. Donc du coup, ce livre va sortir dans 2 jours. Voilà. Voilà, vous allez repartir en aimant les araignées. La dernière fois que j'ai rencontré Christine, c'était donc en 2008. Elle était venue faire une conférence avec Alain Canard, justement. Mm-hmm. Depuis, je lui ai expliqué mes progrès. Oui, tout à fait. Elle a dit que j'étais dans... Non, c'est la bonne voie. C'était pas mal, c'est dans la bonne voie, mais oui. Qu'il y a encore à faire. Donc, vous verrez vous-même si vous avez aussi des progrès à faire avant de continuer. Merci beaucoup, Christine. Merci à tous. On vous écoute. Merci, Maëlle. Et puis, on revient tout de suite après pour les questions. Pour les questions, moi, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Donc, on avait décidé d'intituler cette conférence sur les traces d'arachnées, puisque j'ai envie de vous raconter d'abord une petite histoire pour essayer de vous faire découvrir le monde des araignées et vous expliquer par une légende, en fait, pourquoi les araignées sont là. Donc, certains la connaissent peut-être, bien évidemment, puisque c'est quelque chose d'assez connu. Arachnée était une terrienne qui faisait beaucoup de tissage. Et à l'époque, donc c'était en Grèce, à l'époque, il y avait aussi dans les déesses Athéna, qui elle-même était faisait des prouesses en fait en tapisserie et en tissage. Elle avait entendu parler de cette terrienne qui faisait des tissages, elle est venue la voir et elle a décidé qu'elle devait se confronter donc sur une œuvre, donc elle ferait toutes deux. Quand l'œuvre a été terminée, il se trouve que Arachné avait fait une superbe tapisserie représentant, pour la petite anecdote, les défauts des dieux et des déesses, ce qui n'a pas forcément été très bien apprécié non plus par Athéna. Et la tapisserie était de tellement belle façon que Athéna a décidé de la déchirer. Arachné, de désespoir, s'est pendue. Alors, je vous la résume, bien évidemment, l'histoire. Et Athéna, ayant vu la réaction d'Arachné, de remords, a décidé de transformer Arachné en araignée et qu'elle puisse tisser toute sa vie. Donc, on va essayer de suivre les traces, justement, de cette terrienne d'Arachné pour découvrir un petit peu plus le monde des araignées. Et une de mes premières questions, c'est... Vous avez, à travers l'histoire que je viens de vous raconter, une petite idée, mais la caractéristique des araignées, quelle est-elle, à votre avis? Est-ce que, alors vous pouvez éventuellement parler fort et me faire une réponse, qu'est-ce que font les araignées qui vraiment caractérisent les araignées, à votre avis? Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Voilà, donc j'entends la toile régulièrement. C'est pas forcément la toile, puisque toutes les araignées, on va le voir, ne font pas forcément de toile. Par contre, la toile est faite avec quoi? Des fils, d'un matériau qu'on appelle de la soie. Donc produire des fils de soie, ça c'est la caractéristique des araignées. Et on va le voir, produire plusieurs types de fils de soie qui vont être utilisés pour différents usages. Donc je vais vous l'évoquer de nouveau pendant la conférence. Alors par où ça sort? Est-ce que c'est comme ça? Donc ça, régulièrement, quand j'ai des enfants, forcément, j'ai le geste avec. Non, pas vraiment, mais effectivement, ils n'ont pas fait un acteur avec les fils au derrière. Donc du coup, ils ont fait sortir les soies par les mains. Effectivement, ça sort par l'extrémité du corps des araignées. Donc vous voyez ici en fait une araignée visualisée en face ventrale. Alors oui, je précise aussi, j'ai oublié, pour ceux qui ne sont peut-être pas très à l'aise avec les araignées, est-ce qu'il y en a là? D'accord. C'est très bien d'être venu déjà, puisque justement ça va, j'espère, vous permettre d'aller plus loin dans la démarche. Je préviens tout de suite qu'il va y avoir bien évidemment des photos d'araignées. La majorité sont de petite taille, donc il faut imaginer que c'est quand même carrément grossi,
D'accord ? Hein, donc, vous ne soyez pas surpris par certaines photos. Donc, celle-ci est largement grossie, bien évidemment, parce que c'est une araignée qui est de chez nous, hein, qu'on appelle l'épère frelon, qui est rayée noir et jaune sur la partie dorsale, et qui fait autour de 1,5 cm de taille de corps, normalement. Donc, du coup, en phase ventrale, on voit très bien en fait, les organes qui vont permettre aux araignées de produire des fils de soie. Ce sont ces filières, donc c'est souvent au nombre de 6 tubes à l'arrière, et qui vont permettre aux araignées, par l'intermédiaire de microtubes, donc vous voyez ici ces photos au microscope à balayage sur le côté gauche, qui vous permettent de voir que ces 6 filières sont pourvues elles-mêmes de microtubes qui vont produire des fils de soie. Donc si on revient et si on agrandit un petit peu, donc on a bien des fils de soie qui sortent de l'arrière par ces filières. Et ces fils de soie, en fait, ce sont des ficelles. Si on zoome un peu plus, on voit que les microtubes à l'arrière, ce sont des fusules, qu'il y en a des dizaines sur chaque filière, et que par chaque fusule va sortir une fibrille de soie qui va s'agglutiner, comme vous le voyez ici, hein, donc sur l'image, en une ficelle. Donc ce qu'on voit déjà ici, c'est une ficelle. Et on se rend compte depuis très longtemps que ces ficelles sont très intéressantes avec des propriétés de résistance et d'élasticité qu'on a étudiées depuis longtemps. Donc on va suivre ces fils. Mais avant d'aborder ça et à quoi ça sert, je voulais vous faire un petit peu d'histoire. Parce que ça fait très longtemps qu'on s'y intéresse. Donc là, vous voyez que ce monsieur, donc François-Xavier Bon de Saint-Hilaire, a écrit un mémoire en 1710 qu'il a présenté à l'Académie royale des sciences de Montpellier. Et il a disserté à l'époque sur l'araignée avec les vertus et les propriétés. Alors j'ai laissé insectes un peu en mise en avant, un petit peu, hein, on y reviendra. Avec la qualité et l'usage justement de la soie qu'elle faisait et qu'elle produisait. Et il s'était rendu compte aussi qu'il y avait autre chose qui caractérisait les araignées, c'est quoi ? Puisqu'il parle de gouttes qu'on en tirait. On est dans un animal qui est venimeux, qui produit du venin. Donc ces gouttes de venin pourraient être intéressantes aussi à étudier pour éventuellement guérir de certaines maladies, apoplexie, de la léthargie, etc. Et des maladies saporeuses, comme on les appelait à l'époque. Alors, il n'était pas le seul en fait à avoir vu ses propriétés, puisque à la même époque, René-Antoine Fercot de Réaumur avait aussi publié en fait à l'Académie royale des sciences de Montpellier un examen de la soie des araignées en comparant à l'époque l'utilisation qu'on faisait depuis très longtemps des vers à soie. Et donc c'était quelque chose qui pouvait effectivement être intéressant à continuer ou pas, hein, en comparant avec justement celle du vers à soie. Et puis par la suite, il y a un missionnaire jésuite à Madagascar, qui est resté à Madagascar en fait de 1882 à 1929, le père Camboué, qui a écrit pas mal d'ouvrages en arachnologie, donc la science des arachnides, et en entomologie, hein, donc la science des insectes, et qui a même envoyé à une certaine époque des échantillons de soie d'une araignée qu'on trouvait à Madagascar sur des grandes toiles géométriques et qui faisait des fils en soie un peu dorés. On l'appelle la néphile dorée, ou l'alabée, hein, donc là-bas. Il avait envoyé en fait des échantillons au laboratoire lyonnais qui travaillait justement sur la soie à l'époque et toujours encore maintenant. Et j'ai retrouvé effectivement des échantillons de soie dans le musée des Confluences de Lyon. Hein, donc voilà une des photos avec ces petits écheveaux. Alors je vous ai apporté d'ailleurs aussi des petits échantillons de soie que j'ai retrouvés moi-même dans les collections du muséum. Donc je vais vous les montrer avec la caméra que j'ai sur la table. Alors, je pense que vous les voyez. Donc là, on a en fait d'un côté ici de la soie qui est tirée directement en fait des fils de cette néphile dorée. Et ici, un échantillon en fait, de fil qui a été travaillé, tissé. Donc, vous voyez qu'on peut l'utiliser de la même façon qu'on peut utiliser en fait, de la laine, hein, en tissant. Et à l'époque, donc je vais revenir sur ma présentation, à l'époque,
Je vous présente une petite araignée aussi en même temps. À l'époque, ils avaient réussi à faire quand même des revêtements de chaises à porteurs, parce qu'il y avait des chaises à porteurs à l'époque, hein, en soie d'araignée, des gants, des écharpes, des voilages. Ils avaient même eu un baldaquin de lit, hein, qui avait été fait en soie d'araignée, qui devait aller à l'exposition universelle de l'époque, et puis de 1900, et puis en fait elle s'est abîmée en mer, donc elle n'a jamais été présentée à l'exposition universelle. Ils ont arrêté quelques temps après, parce que ce n'était pas assez rentable par rapport au ver à soie, et que les élevages de néphiles dorés, qui est celle-ci, étaient un petit peu difficiles et très contraignants, puisque les araignées mangent des insectes, pour la grande majorité de leurs proies ce sont des insectes, qu'il fallait donc avoir un élevage de proies en parallèle, contrairement aux vers à soie qui sont nourris avec des végétaux, hein, donc c'est beaucoup plus pratique. Et en plus, les araignées devaient avoir un espace suffisant pour pouvoir se développer. Donc il y avait vraiment des contraintes d'élevage qui ont fait que ces élevages, cette école d'araneiculture, à l'époque on appelait ça comme ça, s'est arrêtée. Juste pour vous représenter en fait cette néphile, donc on voit ici effectivement cette grande femelle, et je vais vous présenter en fait un individu que j'ai aussi en récupéré dans nos collections donc du muséum, qui vous présente la taille réelle de la néphile dorée. Donc la voilà. Donc vous voyez qu'elle est quand même de grande taille, hein. Donc là, ce sont les femelles. On reviendra après sur la différence entre mâle et femelle. Mais ici, pour cette espèce, c'est là où il y a le plus grand dimorphisme sexuel entre taille des mâles et des femelles. Donc je vais vous le montrer sur la photo de la présentation. Donc la femelle est là et le mâle est ici. Je ne sais pas si vous voyez un petit point là, au bout de ma flèche. Donc le mâle est nain par rapport à la femelle qui est géante. Et d'ailleurs, les mâles ne construisent pas de toile et vivent en parasites sur les toiles des femelles, à plusieurs, venant régulièrement se nourrir des proies qu'elle est en train de manger et venant de leur côté manger quelques petits morceaux. Voilà, hein. Enfin manger. Une petite parenthèse, les araignées ne mangent pas, elles ne font que de l'exodigestion de leurs aliments et donc elles ingurgitent la bouillie ou le liquide qu'elles ont prédigéré auparavant pour pouvoir en fait l'aspirer avec une sorte de jabot aspirateur en fait, et que ça passe effectivement dans le système digestif. Donc elles ne font que des crottes liquides du coup, puisqu'elles ne mangent que du liquide, elles n'absorbent que du liquide. Donc voilà pour la néphile dorée. Mais à l'époque, le père Cambouet, voilà comment il faisait la traite de ces araignées. Donc elles étaient installées, donc vous voyez que la première école d'araniculture était à Tananarive quand même en 1896, hein, donc ça date. Et donc ils les mettaient comme dans des sortes de guillotines, l'abdomen donc, qui sortait par un trou, et à partir du moment où on sollicite une araignée, elle produit ses fils. Donc du coup on tire, elle produit les fils, et ils les entouraient autour d'un rouet à l'époque. Et donc c'est comme ça qu'ils arrivaient à traire, entre guillemets, donc les araignées. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même marquant, hein, donc pour les araignées, cette production de fils de soie, et qu'on s'en est rendu compte depuis très longtemps. Et d'ailleurs, après, hein, donc, il y a un certain nombre d'élevages qui ont été repris, plus récemment, bien évidemment, et puis on a essayé surtout de faire des produits synthétiques, puisque les élevages étaient très contraignants. Néanmoins, certains se sont essayés aux élevages, en élevant des dizaines et des dizaines de néphiles, hein, donc aussi la néphile dorée de Madagascar, et vous voyez d'ailleurs encore cette production de soie jaune, qui est la coloration naturelle, donc pour produire des tissus, voire, vous voyez, cette robe en fait est faite en soie de néphiles dorées, hein, donc, qui ont été élevées, hein, ça a été fait en Angleterre. Ce physicien japonais a même fait des cordes de violon en fil de soie d'araignée, donc à partir justement aussi de cette néphile dorée. Donc les objectifs en fait d'utilisation de cette soie sont divers, hein, parce qu'on a, je pense, assez régulièrement entendu parler au tout début de l'utilisation de gilets pare-balles. Hein. C'était quelque chose qui avait été évoqué par l'armée américaine. Où ils en sont, c'est quand même assez secret, mais néanmoins, ils ont dû intégrer effectivement de la soie d'araignée dans leur gilet pare-balles.
C'est aussi des objectifs pour utiliser ça en fibre optique ou en fil de suture, donc aussi des productions médicales. Et puis vous voyez, hein, cordage, voilage, chaussures, etc. Donc il y a quand même des applications hein, dans ce qui est de ce qu'on appelle à l'heure actuelle le biomimétisme, qui sont quand même assez défendus. Où on en est, c'est pas forcément évident de produire des fils qui aient les mêmes propriétés d'élasticité et de résistance que la soie d'araignée à l'heure actuelle. Néanmoins, il y a quelques dépôts de brevets qui ont été faits, en particulier par cet Allemand, Thomas Scheibel, qui a déposé, donc qui fait partie d'une société qu'on appelle Almsilk, et qui a déposé un brevet qui s'appelle Biostil, à partir aussi d'élevage de néphiles. Et il fait actuellement produire des fils de soie par des bactéries, pour des usages multiples également. Mais on ne connaît pas tout, il y a encore des gens, en particulier un groupe européen, donc l'Oxford Silk Group, qui travaille sur les propriétés physiques des fils, en particulier de capture des toiles géométriques. Vous voyez une toile géométrique d'araignée, c'est vraiment un des symboles aussi, hein, cette toile, puisque vous m'avez évoqué la toile, et souvent c'est la toile géométrique, alors qu'elles ne sont pas toutes géométriques. Et il y a une spirale hein, au centre des toiles qui est collante. Donc ces petites gouttelettes, hein, ben, ils sont en train de les étudier pour savoir exactement comment ça résiste et comment ça réagit à l'humidité, à la pression, à la tension, etc. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Donc, avec cette petite introduction, je voulais vous expliquer un petit peu une des propriétés qui est vraiment très reconnue et qui suscite encore beaucoup de recherches. Donc maintenant, on va essayer de suivre ces fils. Et le fil qui est étudié le plus, ce n'est pas forcément le fil de capture, mais c'est le fil qu'utilise la majorité des araignées pour se déplacer. Donc voilà ces fils que vous voyez de temps en temps, ou vous en prenez dans la figure, hein, de temps en temps aussi, entre deux arbres, quand vous vous baladez, et qui, voilà, vous avez l'impression que c'est collant, ce qui n'est pas le cas en général pour les fils de déplacement, hein, c'est vraiment que la spirale des toiles géométriques. Et ben, ce fil que toutes les araignées ont, hein, donc c'est celui-là qui est principalement étudié. Donc on va essayer de suivre un petit peu ce fil pour que vous découvriez les araignées un petit peu différemment. Et je vous ai dit au départ, les araignées donc, produisent des fils pour différents usages. En fait, ce sont les seuls animaux, parce qu'il y a d'autres animaux qui produisent des fils, hein, les vers à soie, on les a cités, hein, il y a des acariens aussi qui produisent des fils, mais les araignées sont les seules à produire plusieurs types de fils pour différents usages. Et quand on regarde en fait un petit schéma hein, qui représente une sorte de coupe sagittale dans l'abdomen d'une araignée, bien sûr les glandes que vous voyez là n'occupent pas tout l'abdomen. Hein. C'est une petite place, c'est vraiment un schéma qui représente en fait en éclaté un petit peu ces glandes qui ont été appelées par les scientifiques avec différents noms en fonction de leur forme. Hein. Vous retrouvez des glandes en ampoule, hein, ampulacées, qui sont plus agrégées, d'autres qui sont plus en tube, tubuliformes, etc. Et donc, en fonction des couleurs, alors c'est un schéma qui avait été justement proposé par Alain Canard quand on avait fait l'exposition ici au fil des araignées dans le livre qui a suivi justement cette exposition. Et il y a des couleurs qui représentent effectivement ces glandes et qui sont liées à l'usage que peuvent faire les araignées de ces soies. Donc vous voyez que certaines, quand on regarde une toile géométrique, ben, regardez les colorations, on a les glandes agrégées qui sont bordeaux et orange qui servent à la spirale collante. Donc les araignées qui ne font pas des toiles géométriques n'ont pas ces glandes, par exemple. Dans une toile, il y a aussi les points d'attachement qui permettent de relier effectivement les spirales aux rayons. Et puis le cadre et les rayons, c'est encore une autre glande qui va être sollicitée. Les mêmes en vert et bleu foncé, donc les glandes ampulacées, qui vont produire les fils de ce qu'on appelle les fils de survie ou les fils de traîne ou les fils de déplacement, hein, ceux qui sont étudiés le plus. Et puis ben, les araignées, elles pondent des œufs, donc elles entourent leurs œufs avec de la soie, et puis certaines avec quelques fils et d'autres avec une bourre de soie très isolante qui permet à ces œufs de passer l'hiver en général, hein, donc, et du coup qui les isole un petit peu du froid. Et puis certaines araignées vont emmailloter leur proie avec de la soie, donc on le voit ici. Certaines ne le font pas, d'autres le font, hein, donc on ne peut pas généraliser sur les araignées. Donc vous voyez qu'en fait, les araignées, ce sont des usines à soie, aux matériaux qu'on appelle la soie.
Alors, quelques éléments généraux un petit peu sur les araignées. Je ne sais pas si vous savez, si vous vous rendez compte de la diversité des araignées. On a souvent une image assez focalisée à partir de celles qu'on voit régulièrement dans nos habitations, etc. On est loin de la diversité réelle des araignées. On est devant 1% de la diversité quand on regarde uniquement les araignées de nos habitations les plus proches de nous. Il y a des araignées partout. Le plus souvent, elles sont solitaires. Quelques-unes sont dites sociales ou se regroupent et se tolèrent. Et on est sur des tailles de corps d'environ, donc la plus petite, fait même pas le demi-millimètre. Alors, c'est des tailles de corps sans les pattes, hein, jusqu'à 13 cm. Alors, vous avez peut-être vu sur des réseaux ou sur Internet ou dans des informations que les plus grosses araignées faisaient autour de 30 cm. Ça, c'est avec les pattes étalées. D'accord ? Donc, normalement, les araignées, ça fait partie des arthropodes, animaux à pattes, podes, pieds, pattes articulées, arthro. Et les pattes, elles sont jamais étalées. Donc, quand on mesure, nous, on mesure que la longueur du corps et les pattes, elles sont plus ou moins trapues, plus ou moins longues. Donc, ce n'est pas ça qui va nous donner la mesure de l'araignée. Donc, 13 cm, c'est la taille du corps. Donc, pour vous donner une petite idée, je vais vous montrer juste donc, ce que vous avez aperçu tout à l'heure. Donc, l'araignée en plastique qui correspond en fait à la taille de la plus grosse araignée, avec une autre araignée qui est dans un bocal dans l'alcool que j'ai ramené des collections et qui correspond à un des plus gros spécimens qu'on a aussi dans nos collections. Alors vous avez celle-ci, voilà, donc on est à peu près, donc je ne sais pas s'il y en a qui voient sur la table, voilà, on est à peu près donc avec une dizaine de centimètres de taille de corps. Et celle qui est ici dans le bocal, voilà, donc fait à peu près une dizaine de centimètres de taille de corps aussi. Donc c'est une des plus grosses que nous avons dans les collections. Donc si je monte le bocal, donc... Je pense que ceux du fond ne la voient pas, hein, mais ceux qui sont... Alors là, je ne maîtrise peut-être pas complètement. Non, je ne vais pas la mettre comme ça. Hein. Voilà, je reviens là, ça sera mieux. Hein, donc vous voyez un petit peu l'individu. Alors c'est celle qu'on appelle quelquefois d'ailleurs sur les réseaux l'araignée Goliath. Je pense que certains ont peut-être entendu parler de ce nom-là. C'est la Theraphos de Leblon. Alors bien que... Nous, en tant que scientifiques, on sait qu'il y a quand même d'autres espèces qui peuvent être aussi de cette taille-là. Donc, il n'y a pas une seule araignée Goliath, entre guillemets. Ce n'est pas les scientifiques qui ont donné les noms que vous trouvez sur Internet. La première fois qu'on m'a parlé d'araignée Goliath, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Donc, c'est effectivement souvent celle-ci qui est évoquée, la Theraphos de Leblon qui vient en Guyane, en Amérique du Sud en particulier. Donc, ça, c'est parmi les plus grosses. Mais la majorité des araignées font... Alors, je vais revenir sur ma présentation... Hop, en vous laissant une petite image rapide. La majorité des araignées fait autour de 5 mm de taille de corps, mais pas seulement en France ou en Europe, dans le monde entier. Donc la majorité des araignées du monde entier sont autour de 5 mm de taille de corps, voire 1 cm. Donc c'est petit de toute façon les araignées. Le monde des araignées, c'est petit. Ensuite, quel est le nombre du coup ? Ben, on est quand même à... 48 892 espèces dans le monde qui sont répertoriées dans 128 familles. Donc, je m'insurge régulièrement sur certains propos quand on me parle de l'araignée. Je ne sais pas de laquelle on parle dans ces cas-là. Ce sont les araignées. Vous vous rendez compte, on n'est déjà qu'une seule espèce. L'espèce humaine, on est déjà assez diversifiée. Donc là, on est sur 48 892 espèces. Donc, les araignées sont très, très, très diversifiées au niveau morphologie, au niveau mode de vie, au niveau reproduction, au niveau mode de chasse, etc. On ne peut rien généraliser. Et on en a quand même encore 1750 en France, en 47 familles. Et dans l'Europe, on en a à peu près un peu moins de 5000. Donc, tout en étant cataloguée, comme on le disait tout à l'heure, de madame araignée ou de spécialiste des araignées, eh ben, je vais peut-être en décevoir certains, mais je ne connais pas toutes les araignées. Voilà. Et même pas toutes les araignées françaises à l'œil nu. C'est pas possible. D'où le fait qu'effectivement, pour les identifier, il faut effectivement les mettre en alcool. Et l'araignée que je vous ai montrée dans le bocal est conservée dans de l'alcool à 75 degrés. Alors, puisque je vous ai évoqué le fait que tout à l'heure, c'était venimeux égale possédant du venin.
Bah, presque toutes les familles possèdent du venin. Il se trouve que dans deux familles sur 128, on n'a pas trouvé de glande à venin. Et donc, on s'est rendu compte que d'ailleurs, pour capturer leur proie, elles capturaient leur proie avec une vitesse considérable. Donc, elles capturent leur proie et les emmaillotent à toute vitesse avec de la soie. Et ensuite, comme toutes les autres, elles font une prédigestion de leur proie, c'est-à-dire qu'elles régurgitent un suc digestif sur la proie qui va liquéfier les tissus de la proie et ensuite elle va absorber en fait cette bouillie ou ce liquide. Alors que pour les autres, quand il y a du venin, les toxines, enfin les enzymes du venin vont aussi agir sur la liquéfaction des proies. Donc presque toutes venimeuses, durée de vie, donc c'est quelques éléments généraux, quelques mois pour certaines araignées, c'est vrai que c'est souvent lié à la taille, mais pas forcément. Celles qui vivent quelques mois sont généralement de toute petite taille, jusqu'à une vingtaine d'années. Pour la grande que je vous ai montrée dans le bocal, effectivement, c'est une vingtaine d'années dans des conditions naturelles. Il se trouve qu'au Muséum d'Histoire Naturelle, une de mes missions, donc on l'évoquait tout à l'heure avec Maëtte, c'était l'expertise, et que de temps en temps, je suis contactée par des douaniers, des pompiers, qui ont trouvé éventuellement des araignées chez des particuliers, voire dans des paquets envoyés par la poste, venant de différents pays. Et donc, c'est comme ça que j'ai récupéré, il y a 25 ans, quelques spécimens d'araignées et de mygales de Guyane, et que j'en ai encore sur un lot d'une quinzaine, j'en ai encore deux qui sont vivantes, dans des terrariums, nourries, logées, sans prédateurs, et ben elles tiennent encore depuis 25 ans dans ces terrariums. Donc, les données que je vous donne là, c'est des données plutôt dans les conditions naturelles, d'accord ? Mais la majorité des araignées, c'est 1 à 2 ans. Donc celles qu'on voit autour de nous, ici, la majorité européenne, c'est 1 à 2 ans. Celles que vous avez dans les maisons, celles qui sont sur des belles toiles géométriques, celles qui font des petits bonds sur des herbes ou des fleurs, elles vivent 1 an en général. Donc c'est des durées de vie qui sont courtes. Comment se développent-elles, à votre avis? Comment grandissent-elles? Comme certains animaux, en muant. Développement par mue, elles changent de peau. Donc de temps en temps, si vous voyez dans la nature des petites araignées qui flottent au bout d'un fil, c'est souvent en fait une mue et non pas une araignée morte. Là, vous avez l'image d'une araignée qui vient juste de muer. Donc, vous voyez la mue qui est au-dessus, complètement vidée, transparente. Et l'araignée qui en est sortie, qui est assez transparente aussi, qui, à ce stade-là, est encore assez molle. Et au moment de la photo, alors c'est une araignée qui faisait 3 mm de taille de corps. Et au moment de la photo, en fait, elle était en train de faire de la gymnastique avec ses pattes. Puisqu'en fait, il faut que ça se durcisse dans des bonnes conditions et que les pattes, qui sont articulées, je vous le rappelle, ne se durcissent pas complètement, parce que sinon l'araignée, la pauvre, elle ne pourra pas vivre. Donc en fait, elle faisait une gymnastique, douce, la gymnastique, mais tout doucement avec ses pattes, en fait, pour que les articulations soient mobiles par la suite. Donc elle se développe effectivement donc, par mue. Alors je vais revenir maintenant... Au côté, rappelez-vous, en fait, dans la petite diapositive sur l'histoire, Bon de Saint-Hilaire avait parlé d'insectes. À l'époque, toutes ces petites bêtes-là, que ce soit des mille-pattes, les crustacés, les araignées, les arachnides dans leur ensemble, avec les groupes qui sont proches, et les insectes, c'était tout ça, c'était un peu regroupé. Donc on s'est rendu compte qu'effectivement, depuis l'évolution, les plus anciennes traces fossiles d'araignées datent d'à peu près 300 millions d'années, donc largement avant les dinosaures, qu'il y avait des branches de l'évolution qui étaient divergentes. Et donc du coup, les araignées n'ont rien à voir avec les insectes. Alors les proches parents des araignées, c'est plutôt ça. Je pense que vous devez reconnaître un certain nombre de silhouettes, vous avez en fait deux colorations sur ce schéma, des animaux qui sont en bleu parce qu'on a des représentations et des représentants en Europe, en France et en Europe, et ceux qui sont en noir, c'est uniquement des espèces qui sont tropicales, d'accord ? Alors je pense que vous devez en reconnaître un certain nombre, peut-être pas dans les tropicales, mais les acariens bien sûr font partie des arachnides. Les opilions. Je pense que ça vous évoque quelque chose.
ce qu'on appelle régulièrement aussi les faucheux. Hein ? Donc, ces animaux donc, qui ont un corps donc, en une seule partie, hein, souvent, enfin, il y a deux parties, mais elles sont réunies, et puis des longues pattes fines. Alors, il y a d'autres opilions qui sont plutôt terrestres, qu'on voit rarement, hein, qui sont dans la litière, et qui, eux, n'ont pas de longues pattes fines, mais ceux-là, on les connaît moins. Hein. Donc, faucheux, est-ce que vous savez pourquoi on appelle ça des faucheux ? Il y a une raison particulière. C'est que nos anciens qui observaient mieux la nature, je pense qu'un certain nombre d'entre nous maintenant, malheureusement, avaient remarqué que quand une patte se détachait du corps d'un opilion, parce que tous ces arachnides ont la capacité d'autotomie, c'est-à-dire de se casser une patte volontairement pour échapper éventuellement à un prédateur, à une des articulations, ben quand la patte était détachée du corps d'un opilion, pour quelle que soit la raison, la patte avait un mouvement réflexe de faux. À l'époque, on fauchait les blés à la main avec une faux. Et la personne qui allait faucher, le faucheur, avait aussi, avec la faux qui était quand même assez lourde, avait une démarche quelquefois un peu dégingandée, on va dire. Les opinions, c'est un peu ça. Et donc, ils ont donné le terme de faucheux, faucheur ou faucheuse, selon les régions de France, à ces opinions. Par contre, je pense que vous avez entendu, ou peut-être que certains d'entre vous l'utilisent, certaines araignées dans nos habitations ont leur corps, non pas en une partie, mais en deux parties, c'est bien une araignée, avec des longues pattes fines, et qu'on les trouve souvent derrière des toilettes, dans des coins de murs, etc., suspendues à une toile, un petit voilage. Et on appelle ça des faucheux. On dit « on a des faucheux à la maison ». Ben non. N'utilisez plus le terme de faucheux pour les araignées des maisons, puisque les faucheux, ce sont des opilions et non pas des araignées. Donc, celle qui est avec des longues pattes fines dans nos habitations, appelez-la par son petit nom, qui est folk, P-H-O-L-Q-U-E. Et si vous bougez la toile pour vous rappeler, si vous bougez la toile d'un folk, vous touchez un petit peu, comme peut le faire effectivement quelquefois un insecte qui tape dedans, et commence, si vraiment la vibration est trop importante et qu'elle pense à quelque chose de plutôt dangereux ou à un prédateur potentiel, elle se met à danser, à tourner sur elle-même, comme la danse folk. Donc voilà, pensez à ça. Donc folk dans les maisons, opilion faucheux à l'extérieur des habitations. Alors qu'est-ce qu'on a aussi ? Ben, on a des scorpions, hein, qui sont quand même proches des araignées, parce qu'ils font partie des arachnides. Je ne sais pas si vous connaissez aussi les pseudoscorpions. Ça fait un peu comme le scorpion, mais sans la queue. Mais c'est beaucoup plus petit, ça vit dans les litières et sous les écorces des arbres. Puis après, on en a tout un tas d'autres. Et puis, on a les araignées. Alors, vous voyez ici qu'il y a, chez les araignées, il y en a une en noir et d'autres en bleu. Celle en noir correspond à une seule famille qui est asiatique. Donc, effectivement, elle n'est que tropicale. Et pour toutes les autres, c'est celle qu'on appelle communément les mygales ou les non-mygales, mygalomorphes et aranéomorphes. Alors vous voyez que mygale, encore une fois, je vais aller au pluriel, on ne parle pas de la mygale, mais des mygales, puisqu'il y a 31 familles de mygales et à peu près 3500 espèces dans le monde. Et que chez les autres araignées, on a 96 familles. Alors parmi ces animaux-là, il y en a quelques-uns qui sont venimeux aussi. Alors pas forcément tout le groupe, mais comme les araignées, hein, donc on n'a que deux familles qui ne possèdent pas de venin, mais pour d'autres groupes, quelquefois c'est la totalité du groupe qui possède du venin, et quelquefois non. Est-ce que vous avez une idée des trois autres groupes, trois autres ordres, qui possèdent du venin ? Alors, pas de... Non ? Les scorpions ? Scorpions ? Dans la queue. Les pseudoscorpions dans les pinces. Et le quatrième, hors des araignées, pour certains, ce sont les acariens. Mais les acariens qui sont parasites. Hein. On a des acariens libres dans le sol, dans nos lits, qui mangent nos pertes de peau, etc. Donc ça, c'est des libres. Et on a des acariens parasites comme les tiques. Et on s'est rendu compte qu'au moment des prises de repas sanguins, hein, quand ils viennent s'accrocher sur des mammifères, par exemple, il y avait aussi injection de certaines toxines, donc certains chercheurs les considèrent aussi comme venimeux. Okay ? Donc on a bien, en fait, quatre groupes
hein, qui possèdent du venin. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils soient dangereux pour l'homme. Encore une fois, on dissocie bien les deux définitions. Alors comment on distingue mygale de non-mygale du coup ? Puisque c'est celle-là dont on va parler un peu plus. Alors certains le savent peut-être, c'est pas la taille, puisque chez les mygales, la plus petite des mygales, contrairement à ce qu'on va raconter aussi beaucoup pour le public ou dans les médias, ou etc., on ne vous représente que des grosses mygales. Grosses mygales tropicales, là j'ai déjà donné une idée fausse, avec deux erreurs dans ma phrase. Elles ne sont pas toutes grosses, puisque la plus petite des mygales sous les tropiques fait 1 mm de taille de corps, jusqu'à 13 cm effectivement. Mais la majorité des mygales, c'est 1 cm. Et puis pour les aranéomorphes, ben, y en a qui font 0,37 mm effectivement, la majorité 5 mm, et les plus gros jusqu'à 6 cm. Vous avez vu déjà en fait un aperçu de la néphile dorée, elle est quand même de grande taille et ce n'est pas une mygale. Donc ce n'est pas la taille qui va les différencier, c'est autre chose. Alors, il se trouve que ces animaux-là font partie d'un grand groupe qu'on appelle les chélicérates, parce qu'elles ne possèdent pas de mandibule, les araignées, ou les arachnides ne possèdent pas de mandibule, mais des chélicères, c'est-à-dire les tiges qui portent les crochets à l'avant. C'est ça qui va différencier. Alors, ce n'est pas le seul caractère, bien évidemment, mais c'est celui qui est le plus visible si vous avez une araignée sous les yeux. C'est la tige qui portent les crochets, les deux tiges qui portent les crochets, donc les chélicères, chez les mygalomorphes, sont dans le prolongement du corps. Et quand il y a une morsure par une mygale, alors je ne parle pas de nous, hein, on s'oublie, là, dans le monde des araignées, on n'est pas du tout capté par les araignées. Donc quand elles mordent leur proie, dans leur monde à elles, hein, vous imaginez la taille encore une fois, hein, mettez-vous bien à leur taille, les tiges sont dans le prolongement et les crochets par en dessous. Donc le mouvement qu'elle va faire, c'est ça. Ok ? Par contre, les autres, donc les 96 familles autres. Donc les tiges sont plus perpendiculaires au corps et les crochets croisés. Donc on a une sorte de morsure double piqûre, si vous voulez, parce que c'est vrai que les crochets sont quand même des aiguilles qui piquent. Mais c'est quand même un mouvement de mort. Donc là, une des différences visibles, c'est cette position des crochets et des tiges des chélicères par rapport à l'axe du corps. Donc vous avez une petite image ici d'une petite mygale qui fait 1 cm. On va y revenir parce qu'on la trouve effectivement en France, celle-ci. Hein. Il y en a même énormément dans le Jardin des Plantes à Paris, au muséum où je travaille. Et donc, vous voyez, ici, les crochets par en dessous, plus ou moins parallèles. Pour celle-ci, les tiges sont assez longues et les crochets très longs ici, hein, repliés au repos plutôt dans des gouttières qu'il y a au niveau de la tige, mais là, légèrement ouverts. Donc voilà une des différences entre mygale et non-mygale. Je vous ai donné donc encore des aspects un peu généraux. Donc maintenant, puisque je vous disais au tout début, une des idées fausses, bon déjà c'était les araignées sont dangereuses, non, on va y revenir. Les araignées font toutes des toiles, non, néanmoins, l'image qu'on en a, c'est souvent ça. La toile géométrique, et donc quand j'ai posé la question, il y en a plusieurs qui m'ont parlé de la toile. Donc voilà deux exemples en fait, d'araignées que vous avez pu trouver peut-être et voir en particulier l'automne, puisqu'elles sont adultes à l'automne, sur des belles toiles géométriques. Alors les paires des jardins ou les paires diadèmes, hein, donc régulièrement on prend cette image d'ailleurs de la toile très régulière de les paires diadèmes comme modèle. Et je tiens à souligner d'ailleurs que lorsque nous avons fait l'exposition ici au fil des araignées en 2008, l'équipe d'animateurs de l'espace des sciences avait fait une petite animation sur les différentes étapes de la construction d'une toile géométrique qui est toujours accessible et qui est vraiment très bien faite pour expliquer justement les différentes étapes. Donc je remercie encore parce que c'est vrai que c'était vraiment très très bien fait en fait à l'époque et c'est ça, je le donne toujours en modèle, hein. Donc pour savoir quelles sont les étapes d'une construction de toile géométrique aussi régulière. Donc il y en a une autre peut-être que vous connaissez, hein, qu'on voit assez régulièrement à l'automne aussi, qui signe même sa toile avec un zigzag de soie un peu plus important, ce qu'on appelle un stabilimentum. On pensait que ça stabilisait l'édifice, alors que c'est sans doute quelque chose qui va permettre à des gros animaux d'éviter le piège. Hein, on pense que c'est plutôt un évitement du piège, pour pas qu'il soit détruit. Pour certains chercheurs, c'est peut-être aussi une attraction pour certaines proies qui va directement viser en fait ces zigzags, qui est attirée par ces zigzags, et comme ça lui permet de prendre des proies.
Donc les, voilà, ce sont des hypothèses. Donc j'ai donné aussi, je fais une petite parenthèse, mais j'ai mis sur chaque photo les noms scientifiques. Hein. Il n'y a pas beaucoup de noms communs chez les araignées. Il a fallu d'ailleurs qu'on en trouve pour le petit guide dont on parlait tout à l'heure avec Maët, c'est-à-dire à la découverte des araignées, qu'on fasse un consensus entre aranéologues pour trouver des noms communs, puisque la majorité des araignées, on les nomme avec le nom scientifique. Donc pour ça, ceux que ça intéresse, il y a aussi les noms scientifiques qui sont mis sous les photos. Alors, toiles géométriques, oui, d'accord. Bon, il y en a d'autres qui font des toiles géométriques, qui se tiennent dessus, mais d'autres qui font carrément... Alors là, ça, c'était des espèces de chez nous, je vais vous passer une espèce tropicale qui fait une toile géométrique, mais elle ne s'installe pas dessus, mais elle utilise sa toile comme un outil. On les appelle les araignées gladiateurs ou araignées rétières. Donc elles sont nocturnes. La première fois que j'ai vu une araignée comme ça, j'avais vu ça que dans des bouquins. Alors quand j'ai vu ça en vrai, en Guadeloupe, hein, dans les Antilles, j'ai sauté de joie. Hein. C'est sûr que c'est très spectaculaire. C'est une araignée en plus qui est de grande taille, hein, qui fait aussi autour de 3-4 cm de taille de corps. Alors vous voyez les pattes, hein, la longueur. Et elle tient ce petit filet entre ses pattes, ça fait vraiment un flash bleuté dans la nuit à la lampe frontale, et elle jette ce filet sur les proies qui passent à portée quand elle sent les vibrations des proies. Donc c'est vraiment, hop, elle lance le filet comme le faisait le gladiateur. Donc vous voyez que les techniques sont déjà, même avec une toile géométrique, très différentes. Alors toutes les toiles ne sont pas géométriques. Je pense que vous avez déjà vu aussi des toiles en nappe. Donc vous avez en fait sur la gauche une toile en nappe avec des fils suspenseurs, hein, donc l'araignée se tient, donc l'araignée qui est en dessous, se tient vraiment sous la nappe, et quand les proies tapent dans les enchevêtrements de fils qui ne sont pas collants, elles commencent à s'en mêler, elles commencent à tomber, elles tombent dans la nappe et l'araignée est là pour la rattraper. Et sinon vous avez aussi au sol des toutes petites toiles en nappe, qui ne sont pas avec des fils suspenseurs, hein, qui sont dans les petits trous, donc sur les herbes, etc. Et là, souvent, c'est des araignées de toute petite taille. Donc, c'est celle qu'on appelle les lignifiles, donc toile en nappe. Alors, maintenant, je vais vous passer la toile en nappe caractéristique qu'on voit régulièrement dans nos habitations, prolongée par une sorte d'entonnoir, faite par une araignée qu'on appelle régulièrement la tégénaire des maisons. Celle qui focalise un peu les peurs, d'ailleurs. Hein, qu'on appelle quelquefois la tégénaire noire. Alors, quand on la regarde, elle n'est pas noire du tout. Mais comme on la voit régulièrement, surtout à l'automne, se balader quelquefois dans la maison à la nuit tombée, ça fait un sentiment de noirceur. Hein. Alors, elle se tient en général très tranquille, dans différents endroits abrités de la maison, dans le garage, dans les caves, derrière des meubles ou sous des meubles. Donc effectivement, la tégénaire, c'est celle-là, l'araignée des maisons, c'est celle-ci hein, en général. Donc celle-ci fait une toile en nappe avec entonnoir. Et effectivement, à l'automne, il se trouve qu'on la voit un peu plus régulièrement. Elle est assez grande taille, puisqu'elle peut aller jusqu'à 2 cm de taille de corps. Elle a des très longues pattes et elle peut se déplacer assez vite. Surtout quand elle sent les vibrations qu'on peut faire quand on marche pas très loin. Donc, on a ces images. Je pense que vous les avez peut-être aussi dans la tête. Vous avez peut-être eu ces rencontres. Donc, dans les baignoires, dans les salles de bain, dans les éviers, sur des murs, bien blancs, avec un flash noir là, qui apparaît. Hein. Ce sont les mâles qui sont en train de chercher les femelles à la période de reproduction à l'automne. Donc, un peu plus errants, puisqu'ils quittent leur toile, ils vont chercher une toile de femelle qui n'est pas encore adulte. Eux, ils sont adultes, ils ont mué, ils ont fini. Ils cherchent une toile de femelle immature. Ils vont rester à côté pendant qu'elle est encore donc immature. Quand elle va muer, dernière mue, ils sont là et ils peuvent s'accoupler avec la femelle. Donc, ils sont un peu plus errants, effectivement, dans la maison, du coup, à la période automnale. Et une des idées fausses, ils ne rentrent pas parce qu'il fait froid. Ils sont déjà là, sauf que vous ne les avez pas vus, parce que ce sont des araignées très discrètes. Voilà. Donc le pauvre, il est tombé dans la baignoire, la salle de bain, ou l'évier. Bon, il y en a certains qui se déplacent sur les murs quand il y a suffisamment de tapisserie pour pouvoir s'accrocher, mais comme ils ont 3 griffes au bout des pattes, ils ne peuvent pas remonter le long de la surface lisse de la baignoire ou du lavabo. Donc ils ne sont pas sortis non plus, ça fait partie des idées reçues, hein, puisque le dernier bouquin justement qui va sortir dans 2 jours, c'est justement 50 idées fausses, donc je traite bien évidemment de ces questions-là. Il ne sort pas des tuyauteries non plus. Il est tombé dans la baignoire.
Parce que ils aiment bien aussi boire régulièrement et les endroits humides, donc ils cherchaient un peu un endroit humide, donc lors de son errance vers la partenaire potentielle. Donc comment je reconnais que c'est un mâle, du coup ? Il y a une caractéristique chez les mâles et chez les femelles qui se trouve à l'avant. Donc vous voyez qu'il a ses paires de pattes, donc les 8 pattes qui servent à marcher, qui sont accrochées toujours à l'avant. Alors là, je vais pas utiliser en fait la caméra, mais je vais juste prendre une peluche sur la table pour vous montrer. Cette peluche, elle est très bien faite. Celle-là, elle est mal faite. Celle-là, les pattes sont accrochées à l'arrière. Celle-là, c'est bien à l'avant. Donc, c'est pour vous rappeler la morphologie d'une araignée, juste. Donc, les pattes sont à l'avant. Et cette peluche, elle est vraiment très bien faite, puisque à l'avant, et vous le voyez ici sur la photo, il y a une petite paire de pattes supplémentaires, qui est bien sur la peluche aussi, qui correspond à des pédipalpes. Ça va palper, ça va tâter, c'est comme nos mains. Et c'est muni de milliers de petites soies sensorielles. Mais chez les mâles, cette petite paire de pattes, elle n'est pas fine comme le bout des pattes, elle est renflée. Vous voyez ici, ça fait des boules. On voit ici aussi, quand maintenant on distingue. Donc il y a des boules chez les mâles, à l'avant, au niveau des pédipalpes, et il n'y a pas de boules chez les femelles. Bon, ce n'est pas le terme scientifique, bien évidemment. Souvent, pour les enfants, je dis qu'il y a des gants de boxe. Bon, le terme scientifique, c'est bulbe copulateur. Ça va servir effectivement au mâle à déposer les spermatozoïdes dans la fente génitale de la femelle. Donc, c'est bien les mâles de tégénaires qui, en ce moment, sont un peu plus errants et qu'on voit régulièrement dans les habitations. Et ben, de temps en temps, c'est vrai qu'ils ont très mauvaise réputation. Et à cause d'eux, ben, quelquefois, quand on les voit dans les habitations, voire dans certains établissements, donc je vous mets quelques flashs parce que je finirai là-dessus par rapport à la médiatisation très anxiogène autour des araignées. Donc voilà quelque chose qui est sorti il y a un an et demi à peu près. Montpellier, cette classe fermée une semaine après une invasion d'araignées. Comment voulez-vous ne pas avoir peur après avec des trucs comme ça ? C'était juste des tégénaires qui avaient été observés en fait à Montpellier dans une école. 4 tégénaires quand j'ai eu l'information. Mais il se trouve que la directrice de l'école était phobique. Donc du coup, les classes ont été fermées, ils ont vaporisé de l'insecticide dans toute l'école, ce qui était beaucoup plus nocif pour la santé des enfants. Et il y avait donc 4 araignées, c'était une invasion quand même. Donc vous voyez en fait les titres journalistiques qui vont continuer à entretenir bien la peur des araignées, alors que c'était des pauvres tégénaires et sans doute des mâles qui cherchaient des femelles. Maintenant vous avez une explication rationnelle, biologique et scientifique par rapport à ça. Donc il faut toujours avoir un esprit critique, mais bon, la connaissance, il faut l'avoir aussi. Alors on continue dans l'étoile, après cette petite parenthèse, parce que l'étoile, on a vu des toiles géométriques, on a vu des toiles en nappe, on a vu des toiles en nappe avec entonnoir, et maintenant on peut parler des toiles en réseau. Et c'est des petites araignées qu'on peut trouver aussi dans nos habitations. Donc la stéatode domestique, donc stéatoda grossa, donc vous avez une femelle d'un côté, et maintenant vous voyez les boules du mâle. Plus petit en taille de corps, mais taille de volume de l'abdomen plutôt, mais taille du corps à peu près identique. Donc cette stéatode domestique, donc qui quelquefois est perçue comme étant une veuve noire, parce que quelquefois elle a des colorations très noires, qui fait des toiles en réseau. J'en ai dans mon appartement à Vincennes au deuxième étage, sous l'évier de la cuisine, et qui a fait sa toile en réseau. Elle est là, elle est très bien. Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est bon. Je n'ai plus ma présentation devant les yeux. Mais ça va, c'est bon. Elle ressemble effectivement à la veuve noire parce qu'elle fait partie de la même famille que la veuve noire. Ah, je n'ai plus la possibilité de passer mes diapositives là. Hop là. Il y a un petit problème. Ça y est, c'est bon. Je tripote. Donc la veuve noire, c'est ça. Ça, c'est notre veuve noire méditerranéenne. Donc celle qu'on appelle la malmignate en Corse. Donc il y a 13 points rouges, c'est l'atrodectus tridecim guttatus. Contrairement à ce qui est raconté, n'est pas aussi dangereuse qu'on veut bien le dire. Très discrète sur ses toiles en réseau au pied de la végétation, et pour aller la chercher en Corse depuis déjà quelques années, où on fait des études des araignées de Corse, avec Alain Canard d'ailleurs encore, faut vraiment la chercher, la veuve noire.
Donc, contrairement à ce qui est raconté, par rapport à son mode de vie, on la rencontre très difficilement. Le venin est puissant, puissant pour tuer éventuellement un micro-mammifère, mais on est quand même un très très gros mammifère. Donc aucune araignée n'est mortelle, en fait. On continue dans les toiles en réseau. Alors, je ne sais pas si certains connaissent le nom de cette araignée-là, la loxocèle, et on les surnomme aussi quelquefois les araignées violons, avec le petit dessin en forme de violon qu'il y a sur la partie avant, le céphalothorax. Elles ont encore fait parler d'elles il n'y a pas très longtemps avec un monsieur dans l'Est, à Nancy, qui se serait fait mordre par une loxocèles, une araignée violon, soi-disant l'américaine, alors qu'elle n'est pas du tout présente en France, ce qu'on appelle la recluse, peut-être que ça vous évoquera quelque chose. Et le monsieur avait effectivement une nécrose de la main. Donc, il a soi-disant failli être amputé de la main, ayant été mordu par une recluse américaine. Donc déjà, faux, il n'y a pas de recluse américaine chez nous. Et en plus, la loxocèles qui est présente chez nous en France, elle est dans le sud. Elle n'est pas à Nancy. Donc tout était faux. Sauf que le monsieur, il avait effectivement une réaction en fait, de brûlure de la peau au niveau de sa main, mais qui était certainement due à autre chose. Mais pas à une araignée qu'il n'avait absolument pas vue en plus. Donc le diagnostic a été fait que sur le diagnostic médical. Donc vous voyez un peu, je commence à vous dire un petit peu des choses qu'il faut éviter de croire hein, par rapport et sans avoir une vérification derrière. Donc celles-ci font aussi des toiles en réseau au pied de la végétation et sont très discrètes et donc de petite taille et mordent très 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 rarement. Néanmoins, il se trouve qu'effectivement dans certains pays comme en Amérique du Sud, il y en a assez facilement dans les habitations et que de temps en temps, effectivement, il y a des morsures avec un venin qui est plutôt nécrotique et qui va donc faire des brûlures de la peau. Il faut vraiment les soigner. Et on a quelquefois des infections, voire des surinfections marquées, surtout dans des zones où il n'y a pas un état sanitaire très développé. On passe à d'autres araignées qui vont encore plus minimiser leur tissage. Celle-ci, elle ne fait que quelques fils. Ce n'est plus des toiles, mais juste un fil. Alors, celle-ci, elle n'est pas chez nous. Au bout duquel, elle va mettre une gouttelette de glu. En plus avec une odeur particulière, des phéromones particulières. Et on l'appelle l'araignée lasso ou l'araignée bolas. Elle fait comme les Indiens qui utilisent justement une boule et qui utilisent cette boule au bout d'un fil pour aller capturer en fait leurs aliments, hein, donc éventuellement des singes dans les arbres, etc. Donc cette araignée-là fait exactement la même chose quand elle entend des vibrations de certains insectes. Elle va commencer à bouger sa boule et hop, pouf, lancer en fait la boule et l'insecte qui était attiré par les odeurs de la boule va se coller sur cette boule et elle n'a plus qu'à faire à relever ce filet de pêche. Donc vous voyez que les techniques sont quand même très diversifiées. Puis après, il y en a plein qui ne font pas de toile du tout. Certaines vont utiliser la soie pour faire des loges de repos ou dans de la végétation ou sous des pierres. Donc là, la pierre avait été soulevée. L'araignée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est recroquevillée parce que la toile, la loge a été déchirée. Et ce sont souvent des espèces qui sont en chasse nocturne, mais qui errent dans la végétation en fait pour aller chercher leur proie. La soie, elle l'utilise que pour se faire une loge de repos. D'autres encore vont faire une sorte de petite boule de soie. Et donc ça, c'est la seule araignée aquatique qui existe au monde, qu'on appelle aussi l'araignée scaphandrier, qui fait une sorte de petite construction en soie comme un petit dôme dans l'eau, dans les mares de faible profondeur. Donc vous voyez un petit peu les fils ici. Et qui va récupérer avec son corps à la surface de la mare de l'air. Elle a des soies sur le corps très 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 denses. Elle va capter l'air et elle va descendre recouverte d'une bulle d'air qu'elle va ensuite enlever avec ses pattes. La bulle va remonter, sauf qu'elle a... elle va être bloquée par le petit dôme en soie qu'elle avait fait au préalable. Et donc, elle va recommencer l'opération plusieurs fois et se faire ainsi une cloche à plongeur. Et elle va capturer des petits insectes aquatiques, des petits têtards, des petits poissons, etc. Donc voilà la seule espèce aquatique au monde. Elle utilise bien la soie. Puis d'autres, ben, elles ne font rien du tout. Donc voilà quelques... Alors, je vous ai mis bien évidemment un petit échantillon de plusieurs espèces pour vous montrer aussi que l'image qu'on peut avoir des araignées, qui est une des idées fausses où toutes les araignées sont sombres, sont noires, je ne sais pas si vous voyez dans les photos que j'ai sélectionnées, il y en a quand même un certain nombre qui sont de belles couleurs. Le noir peut être aussi d'ailleurs très apprécié. Hein. J'ai quelquefois
je fais souvent des petites parenthèses, mais des phobies qui viennent me voir en disant « j'aime pas du tout les araignées noires, ils sont habillés tout en noir ». Donc il y a une petite contradiction dans leur approche. Donc il y a une acceptation aussi à faire. Mais bon, il y a beaucoup d'araignées qui effectivement ont des couleurs qui ne sont pas du tout sombres, mais bon, beaucoup plus voyantes. Donc vous avez ici une petite araignée qu'on appelle les micromates émeraudes, qui sont d'ailleurs en coloration jaune, un peu jaune avec des petites taches rouges, et on les voit souvent à l'automne, avec les feuilles un peu mortes, donc très camouflées dans la végétation. Et cette couleur-là, elles l'ont quand elles sont adultes au printemps. Donc elles suivent un peu la phénologie des plantes. Et ici, vous avez en fait une marque très particulière qui est le cœur des araignées. Les araignées ont un tube cardiaque visible quelquefois quand elles ne sont pas recouvertes entièrement de soie à travers la peau donc, de l'abdomen. Et donc, quand on regarde une araignée, parce que j'en regarde quelquefois vivante quand même aussi sous la loupe, on voit le cœur qui bat justement à cet endroit-là. Donc on a bien un animal qui respire, qui a un cœur, qui a des poumons, qui a des organes génitaux, qui a une bouche, qui a un anus, etc. Donc on est vraiment dans un monde complètement différent de celui que quelques-uns peuvent imaginer. Et vous voyez bien les yeux ici. Alors je ne sais pas si vous savez combien il y a d'yeux chez les araignées, mais la majorité ont 8 yeux, comme le nombre de pattes. Beaucoup 6 aussi. Quelques familles tropicales, 4, voire 2. Et puis certaines n'en ont pas du tout. En particulier celles qui vivent dans des cavernes, dans des endroits toujours sombres, où il fait nuit complètement. Là, il y a une perte de la vision. Avec souvent augmentation en fait, des autres appendices. Elles ont les 5 sens, les araignées, la vision, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe, grâce. Alors vous entendez depuis tout à l'heure dire soie. J'ai absolument pas parlé de poils chez les araignées. Vous êtes poilu, je suis poilu, on est plus ou moins poilu. Souvent, quand on me parle des araignées sombres et poilues, c'est un peu ça. Et en fait, essayez de mettre des choses pour ceux qui n'aiment pas trop au départ, positives derrière, mais je n'exagère pas quand je vais prendre les qualificatifs que je donne. On est dans un monde soyeux. Ce sont des soies sur le corps. Et non pas des poils, c'est des sortes de poils. Donc sensoriel, sensitif, soyeux. Donc ça, c'est les qualificatifs du monde des araignées réelles. Okay. Alors, d'autres qui ne font pas de toiles, qui font de la chasse à l'affût. Alors, je pense que vous en avez déjà repéré sur des fleurs qui capturent quelquefois des gros insectes qui viennent butiner. C'est celles qu'on appelle les araignées crabes. Et celles-ci peuvent même changer de couleur en fonction de leur support. On les appelle souvent les araignées caméléons. Donc ici, on en a une jaune sur une fleur jaune qui, en 2 jours, peut être rose sur une fleur rose. Autres araignées très caractéristiques avec leurs gros yeux à l'avant, les araignées sauteuses, qui ne font pas de toile non plus, mais qui ont toujours des filets derrière pour s'équilibrer, pour équilibrer leur saut. Elles peuvent faire quand même des bonds, alors la majorité, c'est 5 mm, des bonds qui sont 30 fois leur taille quand même. Donc vous imaginez le saut en longueur qu'on pourrait faire nous. Donc on battrait le record du monde. Là, c'est vraiment énorme et elles peuvent voir et repérer leur proie à cette distance. Alors que la majorité des araignées ont une vision à courte distance, vision fixe, pas de netteté possible, pas de mise au point, et donc elles doivent se déplacer. Donc elles ne nous perçoivent pas, encore une fois. Elles voient des changements de luminosité, des ombres, des formes, mais nettes, très près. Donc celle-ci, elle a quand même une très bonne vue. Et on a des gros yeux à l'avant. Alors c'est parmi celles-ci qu'on a les couleurs les plus marquées, et je ne sais pas si vous avez déjà vu celle-ci. Donc ça ne s'invente pas, les colorations sont dans la nature, comme ça. Donc c'est des petites araignées qui font 3 mm, 4 mm, et qu'on a trouvées en Australie. Et on les appelle les araignées pans, puisque ça, ce sont les mâles, vous voyez les boules devant, les bulbes copulateurs. Et quand il n'est pas adulte, le petit voile est sur son abdomen replié. Et quand il est en phase de reproduction, les mâles ils doivent souvent développer des stratégies d'approche vis-à-vis des femelles pour diminuer leur agressivité naturelle. Parce que une autre des caractéristiques des araignées, je l'ai dit au départ, c'est qu'elles sont solitaires pour la plupart. Il y a que très peu de familles très peu d'espèces qui sont dites sociales, sans hiérarchie. Et donc, le mâle, il doit approcher la femelle avec certaines stratégies. Et les araignées sauteuses, avec leur bonne vue, font des danses. Donc les mâles dansent devant les femelles, et lui, il fait le pan.
avec son voile, et il bouge ses pattes aussi, hein, donc souvent la troisième paire de pattes, un petit peu différente, et il fait sa danse devant la femelle. Donc ces petits araignées pans, il y a des petites vidéos sur internet qui montrent justement ces petites araignées qui sont vraiment superbes. Hein. Pour faire aimer quelquefois les araignées, ça peut servir. Même si certains arachnophobes n'aiment pas les yeux non plus, hein, donc je ne veux pas généraliser. Donc là, je vous ai parlé que d'aranéomorphes. Rappelez-vous la distinction entre aranéomorphes et mygalomorphes. Mais chez les mygales, alors vous voyez que les stratégies de sas, toile ou pas toile, c'est très diversifié chez les non-mygales. Chez les mygales, c'est moins diversifié. On a soit des araignées qui sont plutôt dans la terre, dans des toiles en tube, du coup. Elles creusent des terriers et puis elles tapissent de soie ce terrier, ça fait un tube, donc c'est des toiles en tube. Soit elles sont effectivement avec des voilages et des nappages au pied de la végétation, au pied des arbres, soit elles vivent aussi dans les arbres, donc on a des arboricoles, on a des terricoles terrestres et arboricoles, et elles font des loges dans lesquelles elles se tiennent au repos, et ensuite elles vont chasser en errant dans la végétation ou sur les troncs, etc. Tout à l'heure j'ai dit grosse tropicale, j'avais dit deux choses fausses, hein. Donc déjà grosse, je vous ai expliqué qu'il y en avait qui faisaient 1 mm jusqu'à 13 cm, la majorité font 1 cm, tropicales, non pas toutes, puisqu'il y en a chez nous. Et celle qu'on peut trouver chez nous, en voilà une en particulier, qu'on appelle la mygale à chaussettes. Ici, il y a une sorte de tube. Alors on repère parce qu'il y a un petit peu de blanc, c'est la soie. Et c'est un tube recouvert de débris. Donc une partie de ce tube est à l'extérieur et l'autre, la grande partie, est à l'intérieur du sol. Et quand on ouvre un tube, on trouve une petite araignée d'un centimètre dedans, qu'on appelle la mygale à chaussettes. Cette mygale, en fait, la Typus affinis, peut remonter jusqu'en Suède. Donc elle n'est pas du tout tropicale. Donc je vais vous montrer sur la table, en fait, je vous ai apporté une chaussette que j'ai déterrée il y a quelques temps, la plus grande chaussette que j'avais jamais vue. Elle fait au moins 15 cm. Et puis, un petit pilulier, j'espère que vous allez le voir, avec justement une petite mygale à chaussettes dedans. Alors, la chaussette, la voilà. Donc elle a été déterrée en fait du sol. Hein. Donc c'est vraiment un tube de soie. Alors bien sûr, il est aplati maintenant, hein, mais il est vraiment très très long. Hein. Vous voyez un petit peu la taille. Donc il n'y avait qu'une partie qui était à l'extérieur. Il faut vraiment les chercher, hein, nos mygales à chaussettes. Et la taille de cette mygale à chaussettes, donc la voilà. Alors je vais essayer de vous le représenter. Voilà, ici. Donc c'est tout petit, j'en ai plusieurs hein, dans le tube, voilà, hein, je tourne. Donc c'est petit, elle fait 1 cm de taille de corps. Adulte, hein, bien évidemment. Alors je vais vous en montrer d'autres après. Donc je vais reposer ça, hop là. Et je vais vous montrer les autres mygales qu'on peut trouver en France. Alors celle-ci déjà, comment elle fonctionne? Voilà. Ce tube, c'est à la fois son piège et sa demeure. Donc la partie dans le sol lui sert de zone de repos. Quand elle est en chasse, elle va dans la partie aérienne et quand un insecte passe dessus, elle le sent, les vibrations, les soies qui sont sur ses pattes sensorielles. Elle ressent les vibrations, les tapotements, les ondes, les odeurs aussi sur ses soies. Ben, elle va capturer en fait cet insecte. Et puis on a aussi des mygales maçonnes en Europe. Hein, on a quand même une quarantaine d'espèces de mygales en Europe, une vingtaine en France. Donc voilà une mygale maçonne qui fait aussi un terrier dans le sol, tapissé de soie, toile en tube, mais elle le ferme par un opercule en soie, avec une charnière en soie. Et donc quand elle attend ses proies, elle est juste à l'entrée avec les pattes étalées pour sentir les vibrations. Là, il y a aussi un terrier. Donc quand on cherche nos mygales, il faut vraiment ouvrir bien les yeux parce que ce n'est pas évident à trouver. Voilà le terrier. Donc vous avez en fait l'ouverture qui est ici. Donc je vais vous montrer un terrier que j'ai récupéré effectivement de cette mygale en Corse, hein, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait des études sur les araignées de Corse. Alors cette araignée de Corse, elle est de petite taille aussi, hein, donc c'est autour de quand même 2 cm et demi de taille de corps. Et son terrier, c'est... Alors, je vais essayer de le mettre à la main. C'est le haut du terrier. J'ouvre le terrier. Hop là, voilà. Donc, bien sûr, il y a de la soie. Hein. Mais regardez, quand je le referme, c'est complètement hermétique.
Donc ça, c'est nos mygales maçonnes. Donc c'est assez spectaculaire. Hein. Donc j'ai apporté pour vous montrer, donc, bon, il faut qu'on respecte les gestes barrières, donc c'est difficile normalement de venir autour de cette table, hein. C'est pour ça qu'on a choisi cette solution de vous montrer ça avec la caméra. Hein, mais s'il y en a certains, avec beaucoup de discipline, qui veulent juste venir voir et toucher un par un, c'est possible aussi après. Hein. Mais avec beaucoup de discipline, s'il vous plaît. Alors, voilà nos mygales. Donc c'est pas du tout l'image qu'on en a comme celle-ci, hein. Donc je pense que pour certains, c'était ça dans la tête. C'est les grosses, comme celles que je vous ai montrées au tout début, celles qu'on appelle la Goliath, hein, la Théraphos de Leblon. On a aussi celles-ci qu'on voit régulièrement dans des émissions, etc. Pourquoi on les montre et pourquoi on les utilise? Parce que ça fait peur, c'est gros, et puis on peut les montrer. Les mygales d'un millimètre, ça ne ferait pas peur et on les montrerait difficilement. Et puis bon, on en a d'autres, hein, comme celle-ci, très très belle, avec là ces petits dans une loge, qui correspondent en fait à une mygale endémique de Martinique, qui est maintenant protégée d'ailleurs au niveau national, puisqu'elle a été très prisée par des amateurs qui ont fait beaucoup de prélèvements de cette araignée-là, et dans la forêt martiniquaise qui se réduit à peau de chagrin, donc elle n'a plus trop de place, hein, donc du coup elle a été mise en protection. Donc on a fait un dossier depuis très très longtemps, et elle a été mise en protection il n'y a pas très longtemps. Donc voilà cette image-là qu'on avait des mygales, alors que vous voyez qu'il y en a bien d'autres. Alors, il y en a quand même une qu'on évoque régulièrement, c'est une des mygales potentiellement les plus dangereuses, donc 3000 et quelques espèces, 31 familles. Alors, quand on nous dit que les mygales sont mortelles, c'est faux, archi-faux. Quand elles sont toutes dangereuses, c'est faux, archi-faux. Par contre, oui, il y en a quelques-unes qui peuvent potentiellement provoquer des réactions plus marquées, et en particulier, celle qu'on évoque régulièrement, c'est la Trax robustus d'Australie. La Sydney Funnel Web Spider, donc qui fait autour de 4 cm de taille de corps, elle n'est pas très très grande, et elle vit dans les jardins autour des habitations de Sydney, et les morsures ne sont dues qu'aux mâles qui, quand ils vont chercher la femelle, eux aussi, quittent leur petite toile en nappe au pied de la végétation dans les jardins, et peuvent errer même dans les habitations. Donc du coup, quand on essaie de l'attraper, il est très réactif. Alors je suis très à cheval sur les termes, aucune araignée n'est agressive vis-à-vis de l'homme, elles ne sont que réactives à un dérangement. Et celui-là est réactif très vite au dérangement, donc a tendance à mordre, et les morsures qu'on a pu constater avec ces atrax, ce sont que les mâles qui les ont faites. Et le venin est assez puissant, il se trouve que l'homme est un des mammifères les plus sensibles à son venin. Néanmoins, elle n'est pas mortelle, même s'il y a eu 13 cas de mort en 60 ans en Australie, avant qu'il fasse un sérum, en 1980. Et depuis, il n'y a aucun cas de mort. Et quand on se fait mordre, alors, étant en contact avec des collègues australiens, le nombre de cas de morsures avérés par les atrax, ou les espèces proches, c'est une quarantaine chaque année. Ce n'est pas énorme, déjà, alors qu'elle est dans les habitations et dans les jardins à Sydney. Ils font attention, bien évidemment, à leurs animaux. Hein. Ils ont quand même pas mal d'espèces potentiellement dangereuses pour l'homme, là-bas. Et Il n'y a pas eu de mort depuis. Par contre, il y a de temps en temps des choses comme ça. Australie, après les incendies et les inondations qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, les araignées mortelles prolifèrent dangereusement. Donc vous voyez encore les titres qui sont très très accrocheurs et très anxiogènes. Donc oui, il y avait ces araignées-là qui sortaient de leur terrier et de leur zone puisque c'était inondé et qui se retrouvaient effectivement en contact plus facilement avec les hommes qui potentiellement pouvaient être réactives, mais elles ne sont absolument pas mortelles. Hein, donc encore une fois, on continue à faire des articles qui poussent bien en fait et qui continuent à bien entretenir la méconnaissance de ces araignées. Donc puisque j'en parle, ben voilà la dangerosité réelle des araignées. En comparant des envenimations et des décès par morsures ou piqûres d'animaux venimeux, regardez, les envenimations sont surtout dues, alors ça c'est un des schémas qui a été fait par une des dessinatrices qui a fait quelques illustrations dans mon prochain bouquin justement, je trouve ça vraiment très très joli. Les insectes, on est souvent piqué par des guêpes, des frelons, etc. Hein, les moustiques par exemple. Donc les envenimations, c'est les plus importantes. Après, il y a quand même quelques envenimations par les serpents, les scorpions après, et puis les animaux marins et les araignées, c'est pas grand-chose. Hein, au niveau envenimation, contact avec ou morsure et piqûre avec ces animaux-là. Et quand on regarde les décès,
Alors, il peut y avoir des petites réactions individuelles. Mais quand on regarde les décès, la plupart des décès sont dus aux serpents. C'est ça autour de... Alors, c'est par an, hein, donc dans le monde. Hein, c'est autour de 90 000 cas de mort chaque année dus aux serpents. Ensuite, on a les scorpions. C'est autour de 2 500 cas de mort chaque année dans le monde entier, surtout dans les pays du Maghreb. Les insectes, pas grand-chose. Bon, on exclut quand même les moustiques hein, qui transmettent les maladies, palus, etc. Donc c'est un million, à peu près 2 millions de morts chaque année quand même. Là. Mais c'est les maladies transmises par les moustiques. Et puis ben, on voit à peine hein, les araignées et les animaux marins. Parce que là, ça correspond à peu près à 10 à 15 cas de mort chaque année dans le monde entier. Même pas dû à l'action directe du venin, puisque ce n'est pas mortel, mais à des infections, voire des surinfections qu'il peut y avoir derrière la morsure. Voilà, d'accord ? Donc, ce n'est vraiment pas dangereux. Alors, pour quelquefois des gens qui ont peur et que je reçois, et c'est le danger qui est évoqué, c'est assez facile, du coup, à rationaliser ensuite derrière, en fait, le danger potentiel des araignées. En France, on a quand même 15 décès pour des guêpes, abeilles, frelons, etc., par an, souvent dû à des chocs anaphylactiques ou des choses comme ça. Un décès par an pour les serpents, et il n'y en a jamais eu pour les araignées. D'accord ? Donc, il faut rationaliser un peu plus, en fait, ce côté danger. Alors, une des idées reçues aussi, c'est quelquefois, donc on va aller un tout petit peu plus loin maintenant dans la biologie encore, c'est elles pondent sous la peau. Vous avez déjà entendu ça ? Oui ? Selon les sources, c'est à différents endroits, etc. Mais en fait, les araignées, non, hein, elles ne pondent pas sous la peau du tout. Hein. Elles n'ont pas, comme dans Le Seigneur des Anneaux, un dard hein, pour enfoncer dans la peau humaine. Si on est même mordu par une araignée, il n'y a pas 3 points déjà, il n'y a que 2 points, il n'y a que les 2 crochets, éventuellement visibles à la loupe, avec une bonne loupe quand même. Donc non, elles n'ont pas l'intention ou le mode de vie qui leur permet de pondre sous notre peau, hein, et sous la peau de rien du tout d'ailleurs. Par contre, elles sortent des œufs tout mous de leur abdomen, les femelles, et ensuite elles les entourent avec de la soie, avec des cocons plus ou moins élaborés. Là, vous avez le cocon de l'éperfrelon. Pour moi, c'est un des superbes cocons. C'est vraiment une montgolfière renversée en soie parcheminée qu'on trouve à l'automne et pendant l'hiver, puisqu'elle meurt après la confection et les jeunes ne vont sortir qu'au printemps. Ça, c'est le cocon d'éperdiadème. Et on voit un petit parasite, d'ailleurs, ça, c'est une image que j'avais faite pendant ma thèse, justement, à Rennes, puisque je travaillais sur les parasites qui pondaient des œufs dans les cocons d'araignées et dont les larves se développaient aux dépens des œufs d'araignées. Puis vous avez des cocons de formes différentes qui peuvent permettre d'aller jusqu'au genre d'araignée en fonction de ce qu'on voit sur le terrain. Donc ça, ce sont des cocons qui sont laissés seuls dans la végétation. Puis ben, d'autres femelles d'araignées vont protéger leurs pontes, vont rester avec leurs pontes, vont se mettre dessus, comme ici une araignée crabe, vont ici les mettre dans leur toile en réseau, et on a ici l'espèce d'araignée veuve noire australienne, la redback, hein, vous voyez le trait rouge là sur-dessus. Toutes les veuves noires protègent leurs pontes, en fait, et les accrochent dans leur toile, et protègent les jeunes jusqu'à ce qu'ils sortent du cocon. D'autres vont les porter à l'avant, comme ici la pisore admirable, ou encore à l'arrière, comme toutes les araignées loups, donc, que vous voyez peut-être au printemps, hein, si vous regardez bien, des petites araignées qui courent au sol, avec des petites boules au derrière, blanches, marron ou bleues, ou bleutées, et bien c'est le cocon, et les jeunes ensuite vont monter sur le dos de la mère, donc pour être protégés. Et puis certaines vont même faire des toiles pouponnières. Donc le cocon est là, les jeunes sont sortis, mais ils sont protégés par une toile, et par la femelle des prédateurs éventuels. Alors, je ne peux pas vous donner toutes les catégories, mais ça existe chez les araignées, en fait, des soins qui sont plus ou moins poussés jusqu'à des régurgitations d'aliments, jusqu'à aussi les jeunes qui vont manger la mère avant leur dispersion. Hein, la femelle, c'est la fin de sa vie, elle sert de premier apport énergétique aux jeunes. On est encore dans une approche, en s'oubliant, on n'a pas de jugement, on découvre le monde des araignées, c'est tout. Hein, pas d'autres comportements. Et puis ben souvent, à l'automne, on voit ces petites éperdiadèmes, toutes regroupées, la mère est morte depuis longtemps, qui, avant leur dispersion, vont se tolérer pendant une semaine à peu près, puis après, ben, ils vont commencer à être un peu plus distants. Certains vont en manger d'autres, puisque les araignées sont cannibales et se mangent dans une même espèce, hein, ça fait partie de l'autorégulation. Et puis, ben, certains vont pouvoir se disperser par la voie des airs, puisque les araignées vont voler. Les araignées volent. Oui, en n'utilisant pas des ailes, mais leurs fils, encore une fois,
On revient sur les caractéristiques de démarrage. Donc, en émettant des petits fils qui, avec le moindre souffle d'air, va les laisser s'emporter comme des aéronautes. Et donc, c'est comme ça qu'on peut retrouver quelquefois des champs recouverts en fait de fils d'araignées, puisqu'elles se sont toutes envolées. C'est des milliers d'individus qui s'envolent quelquefois en même temps de plein de cocons et qui, avec leurs fils, recouvrent justement des surfaces considérables. Ça, c'était une pluie d'araignées qui avait été vue en Australie il y a à peu près 2-3 ans. Et on m'avait appelé en me disant « Mais c'est fou ça, ce truc-là, c'est incroyable. Ça n'existe que là-bas. » Ben non, ça existe aussi chez nous. Puisque c'est le phénomène des fils de la Vierge qu'on peut retrouver régulièrement au printemps ou à l'automne avec des belles journées fraîches et ensoleillées, avec des courants ascendants, et hop, les jeunes vont s'envoler. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait naturel, et ensuite les fils vont disparaître. Donc voilà quelques éléments, j'espère, de connaissance de ces araignées, en n'oubliant pas leur rôle dans la nature, puisque les araignées, ce sont des prédateurs, hein, elles sont assez hauts dans la chaîne alimentaire. Elles ont un rôle écologique très important puisqu'elles se nourrissent de 10 à 20% de leur propre poids en proie chaque jour. Donc proie surtout des insectes, mais les araignées peuvent se manger entre elles. Et le folk là des maisons, souvent mieux perçu que les tégénaires, peuvent en manger. Hein. Donc la petite araignée gracile qui fait souvent pas peur, elle peut manger des grosses qui font peur. Donc laissez-les faire. Et elles font ça toutes seules, elles s'autorégulent et elles jouent leur rôle d'insecticide naturel. Donc on a souvent, d'ailleurs on dit souvent qu'une maison avec des araignées c'est une maison saine. Et donc ben oui, parce que l'araignée elle est en train d'assainir notre habitation. Elle rentre pas dans une maison où il y a rien à manger. C'est elle qui joue le rôle d'assainisseur. Donc n'utilisez pas d'insecticide ou quoi que ce soit, laissez les araignées faire. Donc j'espère que vous le percevrez différemment et que vous ne vous laisserez pas avoir par quelques titres que je vous ai mis là, que j'ai retrouvés dans la presse, dans les médias, etc., sur Internet. L'araignée la plus dangereuse du monde retrouvée dans un magasin bio, dans un régime de bananes, par exemple. Hein. Invasion encore d'araignées venimeuses, parce que derrière venimeux, forcément, la plupart des gens ont dangereuses pour l'homme. La recluse américaine envahit la France, donc non déterminée par un scientifique. Hein, donc j'ai déjà eu un cas d'araignée violon trouvée dans le sud de la France avec une réaction un peu marquée par une dame. Le papier scientifique est sorti après. Et on m'a envoyé le spécimen. Là, c'était une morsure avérée. Le spécimen a été envoyé, c'était notre araignée violon européenne. Piqûre d'araignée principalement la nuit, ben oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Puisqu'elles viennent forcément nous piquer la nuit. Ça fait partie des idées reçues. Faux, hein. Donc elles ne viennent pas exprès nous piquer. Les boutons du matin sont en général pas du tout dus à des araignées. Et il y a même sur Internet des échelles des animaux les plus venimeux. Alors vous imaginez bien que les serpents et les araignées sont bien placés, hein, là-dedans. Donc quand on est phobique aussi, je voulais juste évoquer ça, puisque effectivement, donc on vous a parlé de ce livre que j'ai fait avec un psychologue, c'est vraiment très important, il faut aussi se sortir de ça, c'est pas une maladie, c'est une association d'idées erronées. Il faut essayer de travailler sur la rationalisation et l'acceptation de la forme qui peut être différente. Et l'évitement, donc c'est pour ça que je disais, bah, ceux qui n'étaient pas hyper à l'aise d'être là, c'est très bien, parce que l'évitement n'est vraiment pas la bonne solution. Il ne faut pas chercher à les éviter, il ne faut pas non plus chercher à les trouver forcément dans tous les endroits où vous allez aller parce que vous allez entretenir votre peur, mais il faut aussi apprendre à les connaître. Et donc, quand on est phobique, on peut se dire, ben voilà, c'est le danger, ben, j'espère que je vous ai un petit peu évoqué ça différemment. L'aspect, oui, ben, faut accepter qu'on soit tous des animaux différents, le déplacement avec les pattes. Hein, donc il peut être rapide, ben non, elles ne sont pas toutes rapides. Et puis pourquoi elles bougent à toute vitesse quelquefois quand on bouge nous, c'est qu'elles ont senti sur leur soi des mouvements et qu'elles vont fuir le danger. Les yeux, quelquefois, sont évoqués. Il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. Donc j'espère que vous les verrez différemment et que vous apprécierez en fait aussi ces matins avec la rosée et les gouttelettes qui font penser à des larmes, d'où le fait qu'on dise araignée du matin, chagrin. Bon, je ne sais pas si vous connaissez la suite, hein, araignée du midi, souci ou profit, araignée du tantôt, l'après-midi, cadeau. Araignée du soir, espoir. Et il paraît, parce qu'en fait, notre perception en fait, des araignées est complètement différente dans les pays, et la peur et l'arachnophobie est assez occidentale. Quand on va en Chine, en Afrique, etc., même dans les Antilles, on n'a pas peur des araignées, l'arachnophobie n'existe pas. Donc ce n'est pas du tout ancestral, c'est culturel.
Et même des petites histoires qui sont racontées aux enfants africains le soir avec un personnage qu'on appelle Anansé. Et ce personnage, il est très facétieux, il fait toujours des bêtises, mais il s'en sort toujours, donc il fait bien rigoler les petits Africains. Donc on descendrait tous de la petite araignée Anansé. Le monde, c'est notre vaste toile. Où que nous allions sur la toile de ce monde, l'amour nous y mène. Et toujours, il existera des fils qu'il faudra savoir saisir. Donc j'espère que je vous ai fait saisir des fils de soie des araignées pour que vous alliez vers leur connaissance et vers leur monde. Et d'autres qu'il faudra savoir lâcher, ceux qui, pour certains, sont associés à quelque chose de beaucoup plus négatif. Donc voilà, avec un petit aperçu justement des ouvrages que j'ai pu faire en collaboration et du prochain qui sortira, 50 idées fausses sur les araignées. Merci de votre attention. Superbe voyage au pays des araignées. Un grand, grand merci. Merci. C'était vraiment magnifique. Alors, on aura. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, en vous parlant des livres, que Christine a apporté quelques-uns de ses livres qu'elle peut vous dédicacer et vous vendre tout à l'heure à la sortie de la conférence. On a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais c'était tellement passionnant que je n'avais pas vraiment envie de vous interrompre. Nous avons quelques questions. Questions peut-être dans la salle. Si vous avez des questions à poser, vous le faites en vous levant, en parlant très fort et en posant une question très courte, de façon à ce qu'on la reprenne dans notre voix, parce qu'on ne peut pas vous passer les micros, c'est impossible en ce moment. Il y en avait une ici sur Internet, puisque vous savez que ces conférences sont retransmises en direct, et c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Boulet, qui est un dessinateur de bande dessinée, qui est aussi un blogueur, et qui disait, j'avais lu il y a longtemps que les folks étaient dérangés par le contact avec la peau humaine, une histoire de champ magnétique ou de champ électrostatique ou je ne sais plus quoi. Est-ce que c'est vrai ? Non, on fait des études là-dessus, effectivement. Elles ressentent bien évidemment les différents types de supports, hein, puisqu'elles ont le sens du toucher, du goût. Mais il n'y a pas de quand j'ai déjà eu des folks qui sont tombés ou que j'ai effectivement fait passer sur la main, il y a rien du tout quoi en fait. Hein. Elles se déplacent tout à fait naturellement, donc il n'y a pas cette histoire effectivement de champ magnétique ou électrostatique. Eh bien voilà une question réglée. Est-ce que vous avez une question à poser ? Bien que la conférence ait été très informative, allez-y, je vous en prie. Non, alors effectivement, alors est-ce que voilà, je répète la question. Est-ce qu'il existe des araignées qui ne se nourrissent que de végétaux ? Alors il y a quelques années, on a évoqué d'ailleurs dans les médias une araignée végétarienne que le chercheur qui l'avait décrite avait appelée d'ailleurs avec un certain clin d'œil Bagheera, comme la panthère, Kiplingi, hein, de Kipling, effectivement. Mais il se trouve qu'elle avait dans son tube digestif beaucoup de petits corbeltiens d'acacia. Hein, donc effectivement, elle se nourrissait beaucoup d'acacia. Hein. C'est une araignée en fait qu'on retrouve en Amérique du Sud. Et elle avait toujours quand même une portion de son régime alimentaire qui est carnivore. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que quand il y avait un assèchement de l'atmosphère, donc l'acacia était moins appétant, avait moins d'eau, et elle se retrouvait avec un régime pratiquement carnivore. Donc aucune araignée n'est végétarienne, hein, ou herbivore ou quoi que ce soit. Elles ont toujours un régime carnivore, même celle-ci. Alors, il y a beaucoup d'autres questions qui sont posées sur Internet, mais auxquelles des réponses ont été apportées depuis. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Entrez. Est-ce que certaines araignées pourraient aider les agriculteurs à se débarrasser de pucerons, insectes nuisibles ou autres prédateurs de plantes ? Eh ben, écoutez, effectivement, est-ce que les araignées pourraient servir éventuellement en lutte biologique ou en lutte intégrée, effectivement, pour les agriculteurs, pour être utilisées pour limiter les populations de ravageurs. C'était quelque chose que j'aurais envie de continuer après ma thèse, hein, puisqu'il y avait les relations insectes-araignées, etc. Bon, ça ne s'est pas fait, et c'était pas très développé en France. Par contre, il y a un autre étudiant qui avait été pris par Alain Canard par la suite qui a travaillé un peu là-dessus. Bon, malheureusement qu'il n'a pas pu poursuivre, mais il était allé en Chine aussi, d'ailleurs, pour faire des observations, parce que dans d'autres pays, c'est déjà utilisé, effectivement, dans certaines cultures, comme on a utilisé, par exemple, les coccinelles vis-à-vis des pucerons, oui. Et ben, certaines araignées pouvaient être utilisées, mais le problème avec les araignées, c'est qu'elles sont assez généralistes.
elles prennent ce qu'il y a. Elles ne sont pas spécialisées forcément sur une proie particulière. Mais on s'était rendu compte que l'impact était quand même important, parce que si elles étaient dans un milieu avec beaucoup de ravageurs de culture, la proie qu'elles rencontraient le plus facilement, c'était le ravageur, et elles avaient effectivement une limitation sur ces populations. Ça n'a pas été très, très développé. Il y a encore des études qui sont faites là-dessus, mais pour l'instant, ça n'est pas en application, effectivement. Alors, une question un petit peu dans le même ordre d'idée. Est-ce que les venins peuvent être utilisés pour créer des médicaments ou des... Oui, c'est vrai que j'ai parlé surtout de la soie, mais les études sur le venin sont également faites par certaines équipes qui pourraient être utilisées pour soigner certaines maladies, malgré tout, comme ça avait été observé il y a très longtemps, justement, déjà, par Réaumur ou par Bon-Saint-Hilaire. Donc oui, il y a des études sur les venins pour séparer les différentes toxines et voir si ça peut être utilisé pour soigner des maladies comme l'épilepsie, comme certaines maladies cardiaques ou autres. Oui. Alors une autre question sur Internet, une personne qui dit qu'elle est hallucinée par cette propriété de faire de la soie, de tisser des toiles complexes. Elle demande si il y a une limite de longueur de fil. Est-ce qu'à un moment ça se tarit ? Alors à un moment ça se tarit quand la glande effectivement n'a plus rien. Mais dans leur vie, comme elles sont toujours en train de manger, de prendre de l'eau, etc., donc ça se reconstitue, puisque la soie, c'est des protéines à la base, avec de l'eau, bien évidemment aussi, et les liaisons hydrogènes de l'eau vont permettre de faire la cohésion de ces différentes protéines, la fibroïne en particulier, dans la soie des araignées. Et si elles continuent à manger dans leur vie, oui, elles produisent de la soie tout le temps. Hein. Mais à un moment donné, si elles ne mangent plus, effectivement, bon. Mais ça avait été fait dans l'école d'aranéiculture à Madagascar. Il y a eu un petit article qui était sorti en 1800 et quelques, où ils avaient tiré les fils d'une grande des fils dorées, sans la faire manger, et puis ils avaient tiré, pour voir la longueur. Hein. Et c'était quand même une centaine de mètres de fil, donc sans qu'elle ait mangé, donc elle avait quand même réussi à faire cette longueur-là de fil. Donc c'est quand même, c'est les néphiles, c'est quand même des grandes, bien évidemment, pour des petites, ça fait un peu moins, hein, mais bon, elles peuvent produire des fils toute leur vie. Est-ce que vous avez une autre question ? Oui, allez-y, je vous en prie. Pendant combien de temps peut vivre, je ne sais pas ce qu'est tellement de variétés d'araignées, mais sans vivre, sans manger, sans boire Combien de temps les araignées peuvent-elles jeûner ? Alors selon les espèces, comme vous avez vu, c'est tellement diversifié qu'on ne peut pas généraliser, mais on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'espèces pouvaient jeûner plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plus d'une année. Par contre, elles jeûnent. Elles ne mangent pas, mais elles boivent tout le temps quand même. Donc elles ont besoin de boire et de s'hydrater. Si là, il n'y a plus du tout d'hydratation, oui, là, elles vont pas tenir le coup. Hein, mais elles peuvent ne pas prendre de la nourriture solide, donc pendant pas mal de temps, certaines, avec toujours une atmosphère derrière ou la possibilité de boire. Il y avait... Oui, alors allez-y, monsieur, puis après, on viendra. J'ai joué le jour avec une araignée que j'ai bloquée. Elle m'a mordu. Enfin, m'a-t-elle mordu ? M'a-t-elle brassé ? Alors c'est des morsures. Ils ont peut-être embrassé. C'est des morsures parce qu'il n'y a que les crochets, donc on parle de morsures dans ces cas-là. Oui. J'ai eu mal, façon piqûre de guêpe, mais quelques secondes et ça a disparu. Mm-hmm. Il y avait venin ou pas venin ? Non, sans doute pas. Parce qu'en fait, dans les cas de contact et de morsures vis-à-vis de l'homme, nous sommes le prédateur, donc là vous l'aviez un peu embêté visiblement. Oui, bloqué, c'est sûr qu'elle se... défend. Donc ce ne sont que des morsures de défense, jamais des morsures d'attaque. Le venin est un poison important pour elle pour manger. Il est associé à la fonction de nutrition. Et donc du coup, effectivement, dans un cas de réaction de défense, comme d'autres animaux venimeux, comme les serpents par exemple, il y a beaucoup de morsures de serpents en défense vis-à-vis de l'homme qui sont sèches, blanches, sans injection de venin. L'araignée fait pareil. Donc en cas de morsure de défense, déjà qu'on ne se fait pas mordre souvent, hein, vous avez bien compris. Donc, et en plus, si on se fait mordre, souvent il n'y a pas d'injection de venin. Donc on a juste la réaction de morsure physique avec la petite pointe, si les crochets sont suffisants pour qu'on le sente. Et puis après, c'est tout. Ah, même une goutte de sang quand même. Oui, sans doute, parce que ça devait être si vous l'avez senti, c'est que les crochets, c'était quoi comme araignée, vous le saviez ? Un centimètre de corps. Oui, mais trouvé dans la maison, dehors ? D'accord. Et est-ce que je peux me permettre de vous poser une question aussi ? Pourquoi vous l'aviez bloqué ? Parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Ah ! Et parce que je voulais voir... Je...
Ça, le sujet m'intéresse. Mais moi aussi, le sujet m'intéresse. Bon, malheureusement, moi, je dois en tuer. Mais quand je fais des démonstrations, je ne les manipule jamais. Je les fais tomber au bout d'un fil ou je les récupère sur ma main sans les bloquer. Elles se déplacent sur la main ou alors je les mets dans une boîte. Ben non, c'était l'observer. Oui, voilà. Mais en fait, il faut l'observer, mais dans quelque chose, voilà, pour ne pas la manipuler. Une fois piquée, elle a fait un bond. 50 cm à peu près en pâte arrière, elle est partie. Ben voilà. Bon. Allez-y, je vous en prie, posez votre cas. C'est un coup posé. Si celle que vous avez dans l'aquarium, il y a une natation à vous. Ah non, pas du tout. Ah non, ça c'est vrai que c'est une question aussi. D'ailleurs, donc, est-ce qu'il y a une adaptation vis-à-vis de moi avec les araignées que j'ai effectivement depuis 25 ans dans les terrariums ? Je les vois jamais dans la journée parce qu'elles sont nocturnes et elles sont sous leur peau, parce que je sais que dans la nature, elles sont dans des anfractuosités naturelles, donc je leur ai donné les conditions qui étaient les plus proches de les conditions naturelles. Mais il n'y a pas de relationnel du tout. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de relationnel, il n'y a rien. Ça fait partie d'ailleurs des fiches que j'ai indiquées, c'est-à-dire on peut apprivoiser les araignées. Non, il n'y a pas de relationnel avec elles. Elles sentent les vibrations. Elles sentent les déplacements d'une proie ou des choses comme ça. Alors, effectivement, on raconte une histoire avec un prisonnier qui aurait apprivoisé une araignée qui descendait régulièrement sur lui quand il faisait juste des vibrations, parce qu'il était avec un prisonnier qui jouait du violon. Et donc, ça faisait des vibrations et l'araignée descendait. Mais il n'y avait pas de relationnel avec elle. Une question sur Internet. Quelle est l'espèce qui vous a le plus fasciné jusqu'à présent ? C'est dur comme question parce que moi j'ai découvert le monde des araignées, c'est tellement diversifié que c'est difficile. Au tout début j'aimais beaucoup les araignées crabes, mais après sur le terrain, celle qui m'a fascinée, c'est celle que je vous ai évoquée, c'est l'araignée gladiateur. Quoi. De la voir un flash bleuté dans la nuit et lancer son filet à toute vitesse sur un insecte qui passe, c'était quand même fabuleux. Quoi. Ça c'est quelque chose que j'ai vécu qui m'a vraiment marquée. D'autres questions ? Ah oui, là-haut, pardon, je ne vous voyais pas. Alors, là-haut, allez-y, parlez fort. Vous parliez d'espèces protégées, mais oui. Est-ce qu'il y a des espèces en voie de disparition ou en voie d'extinction ? Ah, d'accord. Alors, il y a des espèces protégées, effectivement, donc quelques-unes, donc en particulier certaines mygales qui ont été bien prélevées par les amateurs éleveurs et dont les aires de répartition étaient assez restreintes. Donc là, celle que je vous ai montrée en photo, qui avait des petites soies oranges, là, qu'on appelle la genou rouge du Mexique, donc qui a été effectivement protégée. Donc c'est un genre particulier qui est maintenant protégé par une convention qui réglemente le commerce, la CITES. Et puis il y a une espèce de mygale européenne qui est aussi en Andalousie, la mygale andalouse, qui est sous une convention aussi, la convention de Berne et la directive Habitat, parce qu'on a détruit beaucoup ces milieux qui étaient des hêtraies et des châtaigneraies. On la retrouve dans les oliviers maintenant. Et en France, puisqu'on importe des oliviers d'Espagne. Là, c'est des espèces qui sont protégées. On sait, on connaît un peu leur répartition. C'est des espèces qui sont très inféodées à des endroits. Pour beaucoup d'araignées, on n'a absolument pas la répartition complète, le mode de vie. Et malheureusement, on n'est pas très nombreux à travailler sur les araignées, même au monde. On n'a pas le suivi des 49 000 espèces pratiquement qu'on connaît et qu'on a décrites et on a mis un nom dessus. Et on est incapable de dire, à l'heure actuelle, même si on se rend compte, après avoir certains experts qui travaillent depuis longtemps sur les araignées dans les mêmes milieux, on se rend compte qu'il y a une diminution des populations comme beaucoup d'autres groupes, insectes, oiseaux, etc. Donc on impacte, bien évidemment, les populations, mais on ne peut pas dire s'il y a eu des disparitions, puisqu'on est encore en train de décrire la diversité qui est autour de nous. On n'est même pas à connaître toutes les espèces, donc comment on peut dire qu'il y en a qui disparaissent ? Donc on sait qu'il y en a 48 000 et quelques, là, 49 000. On pense qu'il y en a encore autant, si ce n'est pas 10 fois plus à décrire. Donc on est encore, et c'est ça qui quelquefois est mal perçu, on est encore dans la science descriptive fondamentale, de recherche fondamentale, et pas forcément encore appliquée, à décrire la diversité qui nous entoure. On prend encore une question ? Oui, allez-y, je vous en prie. Il y aurait deux questions, je ne sais pas si le droit, mais... Allez-y. Parlez fort, oui. Vous avez fait une thèse sur les parasites des araignées. Oui, les insectes parasites qui font partie des groupes des hyménoptères. Ma question, c'est quel type de parasitisme vous avez étudié et en outre, des relations de type parasitisme, est-ce qu'il existe des relations symbiotiques avec les araignées qui pourraient être intéressantes ?
Alors non. En fait, c'est vraiment du. J'ai fait ma thèse en fait sur les parasites, effectivement, et en particulier sur les parasites des cocons d'araignées, hein, donc des petits hyménoptères qui pondent leurs œufs dans les cocons d'araignées, et dont les larves ensuite de l'insecte se développent aux dépens des œufs. Donc c'était de. J'ai nommé ça en fait les mésoparasites. C'est une ponte externe, et ensuite les larves sont en interne. Donc c'est une mésoparasite, mais elles ont des endoparasites, comme des petits vers, des petits diptères, hein, certaines mouches, et des ectoparasites, d'autres hyménoptères, mais qui peuvent pondre des œufs sur le corps même d'une araignée et dont la larve, accrochée en fait entre souvent la jonction du céphalothorax et de l'abdomen, se nourrit aux dépens de l'araignée qui, au bout d'un moment, va se décomposer et puis l'insecte ensuite va muer. Après, au niveau des symbioses, c'est pas du tout noté par rapport à ça. Sauf, pour certaines espèces, on pense qu'il y a eu une symbiose entre des araignées et des grenouilles. Dans certaines zones, j'ai vu quelques articles là-dessus, mais c'est vraiment très très rare en fait, hein, autrement. Donc on a vraiment des parasites du type que je vous ai décrit, les prédateurs, et puis voilà. Alors je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps, parce que je vois qu'Olivier est là et qu'il a installé les livres que Christine a apportés. Vous pourrez me poser d'autres questions encore après. Sans être tout agglutiné quand même. Hein, mais bon, mais je crois vraiment qu'on peut vraiment remercier, oh là, j'y arrive plus moi ce soir, remercier très chaleureusement Christine Rollard pour cette très très belle merci conférence. Merci à vous. Passionnante, vraiment passionnante. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Hein. Bon, il y avait à peu près 370 personnes qui suivaient la conférence en direct sur Internet. Merci à vous de vous être déplacés. Merci à tous. Un grand merci à toute notre équipe aussi, oui. qui a permis la possibilité d'organiser cette conférence. Et que j'utilise pour la première fois une petite caméra pour vous montrer en plus. C'est très bien. Et c'était très bien. Merci, bonsoir à tous. Et puis, et je vous retrouve en fait pour certains là-bas. Merci. Bonsoir, merci.